When I call your name, you will come forth. I shall place the salting hat on your head, and you will be salted into your houses. Is levitation, the ability to make objects fly. Wingardium Leviosa. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Pierre Totem Locomota. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, parce que moi, un petit peu moins. J'espère que vous allez bien, et merci Sinoc pour tes 34 mois d'abonnement, qui en plus fait péter le sub de tier 2. Rien que pour ça, Sinoc, tu as le droit à la musique des Avengers. 34 mois d'abonnement, et oui, bientôt les 3 ans. Merci, merci, merci. Merci à toi. Tu me réchauffes le cœur suite à la mauvaise nouvelle que j'ai eue aujourd'hui.
Coucou Juju, alors je vais commencer par vous dire bonjour, donc coucou Juju, coucou Poupi, coucou Anaïs, coucou Amaro, coucou Jessica, coucou Héloïse, coucou Sinoc, forcément. J'espère que vous allez bien, tu étais caché sous ton bureau, exactement, puisque j'ai remis en place le système du bureau qui monte et qui descend. Donc j'étais sous mon bureau, pour être exact. Donc voilà, donc ce soir on va être sur la construction, sur le challenge construction de la copine Sissourine. Donc j'ai très hâte de continuer notre construction, à savoir que j'ai dû y retourner vite fait en hors stream pour vérifier 2-3 petites choses qui étaient buggées, mais voilà, en tout cas voilà, c'est chose faite. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé comme solution, notamment un certain bug que l'on pouvait avoir sur le jeu. Et coucou Louvre, comment ça va? Bah écoute, ça va bien Juju, ça allait bien, en vrai non, ça allait bien il y a encore 30 minutes. Il y a 30 minutes j'ai appris une nouvelle. Et comment vous dire, me donne très envie actuellement de faire ça. Voilà. Cette nouvelle, c'est également ça que j'ai pensé dans ma tête. Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Bon, là, ce sera pas la colère de Dieu, mais ce sera la colère de Mister C. Voilà, et puis ça aussi. C'est honteux. Voilà. Ça va mieux avec ton live et toi? Bah écoute, ça va, comme je disais, j'ai appris un peu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Voilà. Et coucou, voilà, Félix, comment ça? Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, vous savez que ça fait plusieurs mois, voire même ça fait un an que je vous parle, que j'ai un ravalement de façade de prévu sur mon appartement, de mon bâtiment. Je suis propriétaire de mon appartement, enfin techniquement c'est la banque, mais voilà. J'ai appris aujourd'hui le montant des travaux. Vous savez si OnlyFans ça paye bien? Ah parce que là, En vrai je rigole. C'est pas si drôle que ça. Mais en vrai je rigole parce que sinon je vais me mettre en boule par terre et faire le mort. Mais voilà. Estoy por aquí un poco aburrida. Menos mal que te he visto que estaba en directo. Pues sí, ya hemos lanzado el stream hace 7 minutes. Mais on voilà, du coup, ouais, non, j'avoue que j'ai connu mieux, hein, au niveau information aujourd'hui, à ce moment-là. Ah bah, si vous voulez, on peut parler chiffres, hein. Je peux vous dire le montant des travaux. Et coucou Légion, comment ça va? Juste le truc de Doxy pour baisser le truc après. Ah oui, non, on est sur un montant qui est indécent. Genre, j'ai vu le récapitulatif, etc. C'est honteux. C'est honteux. J'ai hâte d'envoyer un mail en demandant si c'est une blague. Parce que le 1er avril, il est... le 1er avril, il est déjà passé. J'ai vu le chiffre, c'est de l'abus. On est d'accord. Genre, même une construction Sims, ça coûte moins cher. Alors que d'habitude, les constructions Sims... Enfin, bref, voilà. Voilà, On respire, je vais mettre un petit peu le ventilateur, parce que même si je suis en pull, j'ai chaud, mais si je sais que si je l'enlève, j'aurai froid. Donc voilà, j'ai des bouffées de chaleur, ça me donne des bouffées de chaleur, cette information. Du coup, alors attendez, parce que je veux juste checker un petit truc. Go acheter une maison à la place. Oui, non, mais là, je suis dans le caca, là, Légion, parce qu'il faut qu'on vote. Là, enfin, on va devoir voter quand, je ne sais pas, mais on va devoir qu'on vote pour savoir si on valide ou pas le devis. Déjà, moi, je vote non, c'est hors de question. Mais si plus de 50% de ma copropriété vote oui, je me fais niquer, je suis obligé. Ils aiment avec leur prix exorbitant. Combien? Vous savez quoi? Vraiment, essayez de deviner dans le chat. Essayez de deviner. C'est un ravalement de façade d'immeuble avec isolation par l'extérieur. Je parle même pas, pour ceux qui avaient la référence, de l'ajout de balcon. Dans le devis qu'on nous a envoyé, il n'y a pas l'ajout de balcon. Donc l'ajout de balcon, déjà, c'est hors de question. Oh là là, ma rose, mais si c'était ça, ça aurait été intéressant, c'est plus que ça. C'est plus que ça, ma rose. Mais déjà, rien que le montant que tu as... Non, peut-être pas non plus, Louvre. Donc, quel monde nous. Mais... c'est moi, Anaïs, c'est moi. Allez, Lou Rose, tu es presque au montant. Voilà, c'est un peu moins de 60 000 euros. MDR, on sait jamais. ¿Qué has comprado? Pues no has comprado, ¿no? No. Es que tengo que... es que en mi piso tenemos que hacer obras. Y nos han enviado el precio de
cada persona que tienes que pagar en el piso que estoy dentro. Y es que el precio, pero no sé lo que han comido, lo que han fumado, pero es muy bueno, ¿eh? Es de la buena, ¿eh? Es que están allí, aquí, arriba. Presque lujoso, t'es vachement doué, hein, pour le juste prix. C'est le juste prix. Et ce soir, le trip de Mission 6, c'est le juste prix. Non, mais je vous jure. Bon, allez, je vous dis le prix. Et coucou, Alex, je vous dis le prix. On est presque à ça, Poupie. On est exactement... Attendez, parce que le montant est drôle, quand même. Le montant exact de mon prix du ravalement de façade est de 55 000 euros. De 55 135 euros. Et 56 centimes. Ouh là là, c'est la décadence. Par personne. Alors, autant vous dire... Autant vous dire que... J'ai même pas de son pour ça. Là, j'ai envie de faire ça. Mais genre... Voilà, parce que ceux qui ont... Franchement, c'est exorbitant. Donc, bien entendu, je vais voter contre ce ravalement de façade. Il est hors de question que je paye cette merde à ce prix-là. Je pense malheureusement, il n'y a pas de souci, Anaïs. Mais what the fuck, non, mais ils exagèrent. Genre, je ne vis pas dans un 150 mètres carrés, hein. Je vis dans un 58 mètres carrés. Donc voilà. Porque hace pocos años hicimos obras en mi casa y nos costó aproximadamente este precio. Sí, pero estás en una casa. Yo estoy en un piso. ¿Qué haces? Tengo 58 metros cuadrados. Tengo un piso que es pequeño. Un piso. Ah, perdona. Eh bonsoir, j'avais demandé si tu allais bien. Coucou Xinata, mais après le prix, je viens d'entendre, je souffre pour toi. C'est gentil. En vrai, je rigole. En vrai, je rigole. En vrai, c'est sûr et certain, il y a tout le monde qui va voter contre. Genre, c'est impossible que mes voisins... Déjà, mes voisins, ils râlaient. Parce que moi, je m'étais dit, on va payer 20 000 euros. Bon, c'est beaucoup, mais bon, ça va. Et déjà, les gens, ils râlaient pour 20 000 euros. En mode, mais nous, si c'est 20 000 euros, on vote contre. Mais là, c'est quasiment le triple. Les gens, c'est sûr, ils vont voter contre. Donc, bon, bah... Voilà. Je vais être vulgaire, j'ai mal au cul. Ah oui, non, bah là, oui, hein, là on est sur... là, on est à sec avec du gravier. Hein. Là, je suis désolé du terme, hein, les gens, mais... Là, ah, franchement, la nouvelle... En plus, je parlais avec mes amis et tout, de ma copro et tout. J'étais en vocal sur Discord. Et genre, vraiment, on était en mode... je sais tout. Et puis on me dit, ouais, le ralement de façade, il est en où? Je dis, bah, j'ai toujours pas d'informations. Et j'ai attendu, je vais quand même checker dans les documents. Et puis là... Je vois dans les documents mise à jour du document de je sais pas quoi, de la rénovation énergétique. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je vois un tableau avec des montants très très hauts et rouge en plus. J'étais en mode, oh là là! Donc voilà. Si ça vote pour Go, pour ouvrir un OnlyFans moustache. Ah, non, mais je vais devoir ouvrir. Si vote pour, je vais devoir ouvrir un OnlyFans. Hein. Je vais devoir. Noxy va devoir faire le trottoir. Ah, vraiment? Je suis désolé, Noxy, tu vas devoir y donner de ton corps. Hein. Al sorteo del jueves de nuestro market. Normalmente voy a hacer un sorteo, sí. Sí, sí. Si tengo el pack a la hora que van a salir los packs, normalmente sí. Franchement, quand j'ai vu le bon temps, j'étais en mode, non mais ils sont ravagés. Hein. Ils sont ravagés. Mais voilà. Donc voilà un petit peu, c'était la petite nouvelle en début de stream qu'il fallait que je vous partage parce que j'allais être un peu tendu pendant le stream. Donc voilà. Donc là, maintenant que je l'ai dit, c'est pour ça. Ça va, on digère, ça va aller, et puis bon, on va trouver une solution. Sauver nos vies, trop pas voter contre, je te jure. Non, mais ouais. C'est hallucinant, il y a 20 ans, j'ai construit une maison, la façade était à part, on avait payé pour la façade 5000 euros. Non mais là, mais beaucoup, mais en plus, j'ai vu le montant, en fait, il y a des montants, c'est pas déconnant, genre, parce qu'en fait, il y a un montant de façade, il y a isolation par extérieur, isolation de la toiture, et en fait, il y a certains montants, genre, ils veulent changer les portes palières, par exemple, de mon appart, la porte palière, changer la porte, c'est 2500 euros, changer une porte d'entrée en porte blindée, etc., 2500 euros, c'est le prix, genre, ça me choque pas, il y a des montants, vraiment, dans les devis, ça me choque pas du tout, mais le ravalement de façade, c'est honteux. Genre vraiment le ravalement avec l'isolation, j'ai vu le prix, je te plains. Lingué.
Et coucou Shiyoko, bonjour tout le monde. Et coucou Luna Bay, qui se contentera de mouches. Ah mais là, mais Noxie, elle mangera de la poussière de croquette. Hein. Et encore, tu auras le droit à la marque de croquette marque pouce. Hein. T'auras plus du machin à 20 balles le paquet. Désolé mon chat, ce sera un régime sec pour toi. Enfin voilà. Pardon, c'est l'un de mes amis visiblement qui est en leuk sur mon stream et vient de m'envoyer un message. Genre t'inquiète, ça brûlera ses calories en trop. Elle s'en sortira. C'est horrible. Oh là là. Voilà, comme ça vous pouvez constater que mes amis visiblement ont beaucoup d'humour. Et c'est ici qu'on crame tout. C'est un peu ça, ouais. Je pense qu'on va cramer la maison. Genre on va cramer l'immeuble. Non, on va éviter de dire ça, parce que si jamais il y a un incendie, après, ils vont croire que c'est moi. Donc, non. Mais voilà. En tout cas, c'était la petite... le petit aparté, la petite apostrophe, si je puis dire. Histoire, c'est Alsem. Et on va construire. Hein, on va construire un petit peu. Je valide leur mot. Je valide, bah oui, c'était rigolo, en effet. C'était sympathique. Mais voilà. En tout cas, on va aller sur le challenge de la copine Sissourine. D'ailleurs, j'ai oublié de réafficher les règles du truc de Sissou. Sissourine. Attendez. Hop, Sissourine. Voilà. Challenge construction Sissourine. Voilà. Bah, il le remont. Bah ouais, bah il faut bien. De toute façon, il faut. Je préfère en rire qu'en pleurer. Mais je vous jure, quand j'ai vu le montant, mais j'étais en mode. Une blague. Genre, non. Noxie, si t'es en danger, crie bien. Là, elle dort, là, Noxie. Donc si tu n'as pas encore compris que je vais devoir vendre ton arbre à chat, je vais devoir le louer. Mais voilà. Non mais écoutez, voilà, je savais que le montant allait être cher, mais moi j'avais tablé sur 20 000, 25 000. Alors, après, bon, 55, ok. Il y a les aides de l'État normalement qui doivent rembourser la moitié. Mais ça veut dire quand même que je dois payer 25 000 de ma poche. Même ça, c'est niette. Genre, faut pas. Genre, clairement pas. Alors, attendez. Hop, on va passer sur le jeu. Si le jeu veut bien se lancer, on va se mettre la petite musique comme d'habitude. Hop. Et on va se mettre du Synthwave. Histoire de se relaxer après cette mauvaise nouvelle pour ma part. Et voilà. Mais en vrai, j'en rigole. Je le prends plutôt bien. En vrai, je le prends plutôt bien. Je savais qu'on allait se faire un peu douiller au niveau du prix. Bon, peut-être pas à ce point-là non plus. Mais... il y a toujours la porte de sortie, de toute manière, je vais le... De toute façon, cet appartement, il est destiné à la vente. Donc, au pire, du pire, si je me dis qu'au pire des cas, si je dois vendre cet appartement, et qu'il y a quand même le ravalement de façade, eh ben en fait, je ne perdrai pas d'argent. Littéralement, j'en gagnerai pas non plus. En fait, je ferai une transaction neutre. Voilà. Son appartement a pris beaucoup de valeur, grâce au boom de l'immobilier. Mais bon, c'est pas folichon quand même. Je suis contente d'être que locataire avec ma mère pour mon appart. Ah là, j'avoue, bah, en fait, je m'attendais pas à un montant aussi gros. Vraiment, là, je m'attendais pas à ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bon. Alors, je vais trouver une solution. Je suis sur ma rénovation des montres, j'ai eu trop peur. Mais ouais. Bon, sinon, vous, comment ça va aujourd'hui? Parce que sinon, si on parle par exemple, de mon travail aujourd'hui, le travail aujourd'hui a été plutôt cool. Je n'ai eu strictement rien à faire de ma journée. Voilà. Et quand je dis littéralement strictement rien à faire, en fait, il y a eu un petit souci à mon taf, et du coup, mon responsable a dû partir en déplacement chez un client, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, en fait, c'est mon responsable qui nous donne le travail. Donc, en fait, j'ai eu une commande à faire aujourd'hui. Comment je l'ai fini en une heure? Bah après, bah je me suis tourné les pouces. C'était un peu long. C'était un peu long quand même. Alors ici, la construction. Et coucou Titi, comment ça va? C'est mieux si je regarde le bon écran. Hop là. Mais voilà, sinon, mis à part ça, la journée a été sympathique. Je me suis tourné les pouces toute la journée. Allez, je réponds juste à un petit message. Hop là, je suis en période de révision, j'enchaîne 3 semaines de partiel à partir de la semaine prochaine. Ouh, bah bon courage. Bon courage. C'était long et ça a dû te soulager le poignet. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, ça m'a soulagé le poignet parce que je ne l'ai pas utilisé toute la journée.
D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas, voilà. Je suis un petit peu blessé. Et coucou Mimine, comment tu vas? J'imagine une journée comme ça, c'est pas facile. Bah, en vrai, ça m'a arrangé parce qu'aujourd'hui, j'avais pas spécialement envie de bosser. Donc, voilà, j'ai bien aimé le fait de ne pas avoir bossé aujourd'hui. Alors, je me doute que demain, on va prendre trop cher. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous savez, c'est cette nouvelle-là du ravalement de façade qui va me coûter les yeux de la tête. En vrai, de vrai, ça peut être une opportunité de demander une augmentation à mon travail. En mode, écoutez, j'ai eu le prix de mon ravalement de façade. Si je vends pas deux reins maintenant, si je pourrais pas le payer, est-ce qu'il y a moyen de m'augmenter? Oui, il me manque 30 minutes pour finir la saison 1 des Chroniques de Bridgerton. Alors, visiblement, chez Oko, tu as kiffé la série. Parce que tu as juste binge-watché la série, tu l'as éclatée. Ça va et tout. Ah bah écoute, ça va. Merci, j'en ai bien besoin. Bah, je me doute. Hop. Très jolie cette maison, il y a des règles. Oui. Alors attendez, si vous voulez, je vais vous relire les règles. On est sur le challenge de la copine Sissourine qui se termine le 12 mai prochain, donc dans un peu moins d'un mois. Alors, challenge construction, Barbie femme d'affaires. Alors, tout le monde peut participer au challenge. Personne sur console, PC ou Mac, vous pouvez utiliser n'importe quel pack ou le jeu de base si vous le possédez. Ne laissez aucune pièce vide. Chronique de Bridgerton, je l'ai regardé deux fois. Bah, je suis en train de le regarder, là, je suis à la moitié de la saison 2. Alors, le dernier délai, c'est le 12 mai. Donc, taille du terrain, 50 par 40. La construction sera à Del Sol Valley et elle sera sur ce terrain-là. Partagez vos constructions avec le hashtag SissourineBarbie. Voilà, et pas de CC autorisé, bien entendu. Et coucou Isabelle. Et donc ça va dans l'ensemble. Bah écoute, mis à part ça, cette petite mauvaise nouvelle potentiellement budgétaire, parce qu'en vrai, c'est pas voté, hein, donc si on vote non, il y aura pas. On espère que ça vote non. Donc en vrai, non, mis à part ça, ça va. Ça va. Le poignet, depuis que j'ai ma nouvelle attelle, qui du coup me retient le poignet, bah je n'ai plus mal au poignet. J'ai pas de décharge électrique ou quoi que ce soit comme j'avais avant. Donc, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les règles du challenge. Code de triche autorisé, le mode tool et le mode BBB aussi, débogageur également. Alors, une façade. Alors, il faut une maison avec une façade luxueuse dans un style victorien pour évoquer le raffinement, l'histoire et le romantisme. La maison ne doit pas paraître vieillotte. Inspirez-vous des maisons des chroniques de Bridgerton, de Downton Abbey, etc. Mélangez les peintures, briques et peintures unies. Ajoutez des détails sur la façade de la maison. Ajoutez des ornements en bois ou en fer forgé selon votre style et votre goût. Il faut un rez-de-chaussée et un seul étage. Donc, techniquement, on a un rez-de-chaussée et un étage. Et après, là, ici, c'est la toiture. Donc, je ne considère pas ça comme un étage. Pas de rooftop et pas de sous-sol. Donc le toit ne sera pas accessible, parce que techniquement, ça on peut considérer que c'est un rooftop, mais techniquement on n'y va pas, donc voilà. Et il n'y aura pas de sous-sol. L'extérieur, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles. L'extérieur. L'entrée de la maison doit être spectaculaire et soignée. La propriété offre un visuel impeccable, plate-bande bien entretenue, arbres et arbustes parfaitement taillés, jardin luxuriant, rempli de fleurs, ajouter une fontaine et d'autres éléments de décor et commodité tels que des statues, des colonnes, une piscine creusée, une grande terrasse. Ah, j'avais oublié l'histoire de la grande terrasse. Une cuisine d'extérieur avec barbecue. Et coucou la danseuse, coucou également Touti, comment ça va? On dit merci à la pharmacienne compétente. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, ça fait un mois que je me suis blessé. Et un peu plus d'un mois d'ailleurs. Et en fait, ça allait pas mieux. Genre, il n'y avait pas beaucoup d'amélioration. Et en fait, c'est-à-dire que quand je suis allé à la pharmacie, il n'y avait pas la telle que j'ai là actuellement. C'est là qu'il me fallait. Et en fait, il m'avait dit oui, la telle, si on la commande, vous l'aurez que dans 2 semaines. Sauf que bah, je venais de me blesser. Et littéralement, il me fallait que je porte une telle pendant 2 semaines pour que je sois soigné. Donc, si je l'ai dans 2 semaines, ça ne sert à rien. Du coup, elle m'a dit, attendez, si vous voulez, je vous la remplace par quelque chose qui est exactement la même chose qui devrait aller. Alors, je vous montre mon attelle que j'ai actuellement, qui est celle qu'il me fallait. Et voici l'attelle. Attendez, je vais la mettre sur l'autre main. Ah oui, alors, c'est un peu compliqué. Et c'est juste pour que vous voyez la différence de taille. Ça, c'était l'attelle que j'avais avant. Bon, je l'ai mise à l'envers, mais comme ça, vous comprenez la taille. Donc ça, c'était mon ancienne attelle. Et voici l'attelle qu'il me fallait en vrai. Voilà. Parce que j'ai repris du travail aujourd'hui, après une semaine de vacances. Oh, trop bien, hein, bah, j'espère que t'as bien profité. Et coucou à Jean, comment ça va? Donc voilà. C'est le poignet, du coup, maintenant, et avec cette attelle depuis maintenant lundi, bah depuis samedi. Et en vrai, depuis samedi, j'ai quasiment eu aucune décharge électrique au poignet. Alors qu'avant, j'en avais une 50aine par jour. Ça va tranquille, reprise du travail. Pardon.
Mais donc voilà. Ça va. Je vais pas demander si toi aussi tu t'es fait quoi. Non, en vrai, la main ça va. Hein. La main ça va. Alors, de base, je me suis t'es fait une entorse au pouce qui s'est vraisemblablement transformée en tendinite du pouce qui après s'est transformée en tendinite du poignet parce que je n'avais pas la bonne attelle. Voilà. Je dois passer une radio lundi parce que mon médecin suspecte en fait que je me suis potentiellement peut-être fracturé un petit os. Ou qui a un petit os de brisé et qui se balade un peu. Et qui c'est pour ça que quand je bouge le poignet, des fois, je me prends des méga décharges électriques. Donc voilà. Je me suis lancé sur une construction énorme, alors je construis pas souvent. Ah bah, bon courage. Donc voilà, un petit peu pour ça, c'est l'extérieur de la maison. Pour revenir aux règles, intérieur. La décoration intérieure doit être au goût du jour. Il faut un effet épuré, propre, tendance et raffiné. Mélanger l'origine d'une maison victorienne, colonnes, grands escaliers et grandes fenêtres avec le moderne et le haut de gamme. La décoration est très importante. Tableaux, plantes, sculptures, n'hésitez pas à jouer avec les plateformes et à ajouter des arches pour ouvrir les pièces. Après, on a des pièces qui sont imposées. Vraiment, on a énormément de choses. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de choses. Voilà. Donc, au rez-de-chaussée, il nous faut un hall d'entrée impressionnant, un grand escalier dominant pour monter à l'étage, des hauts plafonds et des grandes fenêtres, un grand salon pour une famille avec cheminée, un autre salon formel pour les invités importants, une grande salle à manger, une cuisine, un accès au jardin, une grande pièce de bureau, un coin bibliothèque, placer un coin loisir et y mettre obligatoirement un jeu d'échecs et un coin toilette. On a tout là, normalement. Normalement, on a tout. Je suis passé sur un terrain à 40-30 par 75. Ah ouais, en effet, très grosse maison. Arf, c'est la main où tu écris ou je parie? Ah bah oui, en plus, sinon c'était pas drôle, c'est, je suis droitier, c'est ma main droite. Je peux te demander tes tympans, ornements et postures, s'il te plaît. Surtout au niveau du porche. Alors, ici, les colonnes qu'il y a là, elles viennent avec le kit château de caractère. Ce sont les colonnes qui viennent avec le dernier kit, également pour les tympans. Et alors, la frise, c'est celle du jeu de base, simplement. Voilà. Et ça, et la clôture, elle vient avec Strangerville. Voilà. On s'est donné, hein, là. Merci Bridgerton de m'avoir donné envie de construire un aussi gros truc. Bah, tu m'étonnes. Bah, en fait, là, du coup, on est sur le challenge de 6 sous, et en fait, dans les références, elle a dit qu'elle voulait un truc à la Bridgerton. Et en vrai, je trouve que la construction qu'on est en train de faire sur l'extérieur, ça pourrait ressembler à une maison qu'on pourrait voir dans les chroniques de Bridgerton. Voilà. Magnifique comme toujours. Merci beaucoup. Alors, il y a eu des changements par rapport à la dernière fois, parce que j'ai eu des petits bugs avec les colonnes, notamment. J'ai dû modifier certaines choses pendant que... hors live... Puisque, comme vous le savez, j'ai changé les colonnes. Non, c'est pas ces colonnes-là qu'il y a. J'ai pas encore mis la rediffusion sur YouTube. Je vous la mets pour demain matin. Hop là. Donc, on a changé quelques trucs. Donc, au niveau des pièces. Ici, il y aura le salon informel, si je puis dire. Ici, il y aura le salon pour la famille. La grande question, c'est est-ce que ici, à la base, on a dit qu'ici, on mettrait la cuisine. Ici, la salle à manger. Et ici, la bibliothèque. Mais... peut-être qu'on va changer certaines choses. Pourquoi pas mettre le bureau plutôt là? La cuisine, la mettre ici. Et le salon, mettre là. Le salon, la salle à manger. Tu vas là, dans ta sauvegarde. Non, malheureusement, dans ma save des mondes, je ne peux pas. Parce que là, j'utilise tous les kits, tous les packs, tout ce que j'ai à ma disposition. Et coucou Unicorn, comment tu vas? Hop là. Donc voilà, et alors à l'étage, pour l'instant, on n'a pas fait le découpage des pièces. Bon, on n'a encore rien fait pour l'instant là-dessus. Bien, et toi? Bah écoute, ça va. Voilà, on va dire que ça va. voilà. Il n'y a pas le choix. Là, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai mis cette arche-là, mais à tout moment, cette arche, je vais la changer, parce qu'en vrai, elle n'est pas... non. Ça va être complicado. Je pense qu'on va essayer de trouver une autre arche. Je mange mon petit plat healthy. Ah, moi, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Par contre, je me suis mordu la lèvre tout à l'heure. Mais quand je vous dis que je me suis mordu la lèvre, c'est que, littéralement, j'ai un trou dans ma lèvre.
Ouais, là, je fais plus château, je suis totalement d'accord. Mais vous allez comprendre pourquoi je mets cette arche-là. Vous allez très vite comprendre le drame qui va se produire d'ici quelques secondes quand je vais mettre les tympans. On peut le constater, ma maison, j'ai mis des frises ici. Et j'estime que les frises qu'il y a là sont importantes pour le design et pour le visuel de la maison parce que ça rend quand même plutôt bien. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et bah si je mets une frise, genre par exemple, bah déjà il y a un problème. Voilà. Parce que comme ce jeu s'est codé avec le cul, et bah je me retrouve avec l'une des frises qui se mettent là alors qu'il ne devrait même pas y en avoir. Voilà. Et du coup ça m'a enlevé toutes mes frises ici. Voilà, œuf brouillé avec des épices chinoises et du bacon. Oh, pas mal. Mais donc voilà pourquoi je ne peux pas mettre de frise. Parce que ce jeu, c'est de la merde. Voilà. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Laquelle, je ne sais pas. C'est le problème que tu avais déjà l'autre fois. C'est le problème que j'avais l'autre fois, ouais. Alors, par contre, j'ai réglé un souci au niveau du plafond. Vous devez le savoir, normalement, les plafonds dans les Sims 4, vous pouvez bien sûr changer la texture maintenant depuis une certaine mise à jour, mais la texture des plafonds arrondis n'est pas modifiable. Il y avait un bug là-dessus. Il me semble pas que ça a été corrigé lors des mises à jour, mais j'ai trouvé vraisemblablement la solution. Et vous allez voir, c'est assez bête. En gros, vous prenez votre... Là où il y a la partie arrondie. Vous allez à l'étage du dessus. Vous sélectionnez la pièce du coup où il y a l'arche arrondie. Enfin, le mur arrondi. Vous cliquez sur la petite bande jaune. Vous faites supprimer le plafond. Vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, normalement... Hop là. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de recliquer dessus et faire construire un plafond. Et là, quand vous faites ça, vous pouvez normalement modifier le plafond arrondi. Voilà. En fait, il faut détruire et refaire. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, je pense qu'on va plutôt le mettre en blanc. Ici. Voilà. Ça a été laborieux pour trouver cette solution. Maintenant, le problème que l'on a ici, c'est les arches. On va devoir faire parce que je n'ai pas envie de faire ça. What the fuck, pourquoi quand je fais ça ça m'enlève ça? Ah non, hein. Ah non, le jeu, hein. Attends, peut-être si tout elle veut des plateformes, si tout tu n'auras pas de plateforme dans ta maison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, puis en plus, les plateformes font tout bugger. Là, je suppose que maintenant, si je fais ça... Ah, c'est un grand merde. Franchement, des fois, moi, je comprends pas ce jeu. Ah, j'ai vu quelque chose de... J'ai vu un truc. J'arrive pas à comprendre, c'est... Non mais de toute façon, si je fais ça, de toute manière, le problème va pas être solutionné. Parce que là, du coup, ça me les enlève avec ça. Oui. Non bah, je suis dans la merde, hein. Et coucou Lucifred, comment tu vas? Compliqué notre jeu, bien sûr, ça. J'adore, même si je ne joue pas au Sims 4 depuis des mois, je joue plus au 3, j'en ai marre des bugs du 4. Je comprends totalement. J'adore me faire des plats tout simples et après rajouter des épices asiatiques. Mais j'avoue que moi, je n'utilise pas spécialement d'épices asiatiques. J'avoue que peut-être que je teste. Attends, quoi? Fais attention à tes colonnes dehors, ça les baisse, je crois. Alors, oui, ça les baisse ici, mais ça, c'est pas grave, c'est voulu. C'est nul, ce jeu. Non, mais là, je vous jure, je suis à deux doigts de faire un AVC. Mais on va trouver une solution. Et à mon avis, j'ai une solution toute faite. Mais j'ai un peu peur que ça fasse bizarre en jeu. Normalement, ici, on est supposé avoir des tympans. Mais je sais plus où ils sont. Là.
Enfin, des corbeaux, pardon. Donc, je peux, à mon avis, créer... Ah ouais, mais il est dégueulasse. Mais c'est celui du jeu de base. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Je suis trompé de touche. Les cheminées volent. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je sais que les cheminées volent, mais je me suis trompé de touche, c'est le seum. Et essayer de trouver du bulgogi. Et c'est une sauce coréenne, mon dieu, avec du bœuf. J'aime bien moi, la sauce bulgogi, je connais. Avec du bœuf, c'est une tuerie marinée. Ah ouais? Faudrait que j'essaie d'en trouver. Et coucou Lucifred, pardon, je t'avais pas vu, excuse-moi. Comment vas-tu? Attends, déjà d'avoir une idée. Je sais absolument pas ce que ça va donner en gameplay. Faut que je teste. Ça va être moche. Et coucou Sirena. Enfin, H, coucou à toi. Tu en trouves en grande surface, j'en ai trouvé perso. Ok, d'accord. Je fais du bimbap. Alors, du coup, pas celle-là. Pas celle-là non plus. Bah, celle-là est trop petite. Ah! Le champ, surtout, il y a des rayons du monde. Ok, bah, j'ai regardé. J'ai un Auchan qui est pas très loin de chez moi. C'est dommage pour celle-ci parce que vraiment, la texture, elle est dégueulasse. C'est une texture du jeu de base, donc est-ce réellement étonnant? Non. Parce qu'en vrai. En vrai, de vrai, ça aurait bien rendu. Ça aurait super bien rendu. Mais au vu de la couleur pas belle, qui ne coïncide pas en plus avec la couleur blanche des poutres, et ben, ce n'est malheureusement pas possible. Ah, mais je sais ce qu'on va utiliser. Les poutres. Ça sera une, ça va la fermer de manière classique, si je puis dire. Et tes compétences, c'est dans quoi? C'est dans décoration de plafond, je crois. Non, c'est pas là. Mince, elles sont où? C'est dans le pack via la campagne. Non, pour le coup, c'est vraiment des poutres. Ah, où est-ce qu'elles sont? Elles viennent avec ce pack-là. Tu m'as donné aussi le challenge. Ah, désolé. J'ai tout cassé mon BBV et mon mode tool. J'ai téléchargé la dernière version et paf, le jeu, ça marche plus. Je vais devoir regarder ce qui cloche. Bon, regarde si t'as bien supprimé tous les fichiers et tout dossier du dossier mode. De l'ancien mode tool et de l'ancien mode BBV. Ça peut venir de là. Mince, bah je le trouve pas. Vous voyez de quoi je vous parle, les gens? C'est vraiment le morceau de poutre. Normalement, on en a un dans ce pack-là. Bon, c'est pas dans ce pack-là. Mais si, c'est dans ce pack-là. Bah. On se met dans la poubelle, ouais. Bah. Attendez, je re-regarde ligne par ligne. Sinon, je vais désactiver le débogage. Et Vio Ranch. Il n'y a pas de poutre dans Vio Ranch, je crois. Héloïse, regarde bien parce que des fois, quand tu extrais le dossier dans le dossier mode, il y a un dossier dans le dossier. Ouais, le bout de poutre au plafond. Exactement, c'est ça que je veux. C'est en mode construction? Ouais, c'est ça, c'est la poutre. Moi qui voulais jouer au Sim, je viens de faire la mise à jour et bam, je fais que bug. Il y a une mise à jour? Il y a une mise à jour? Ah bon?
Attendez, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Attendez. Ah ouais, nouvelle mise à jour. Bah en vrai, on la fera plus tard. On va pas la faire tout de suite. Là, pour le coup, je sais même pas ce qu'elle apporte cette mise à jour. Ça doit être une mise à jour corrective de bugs, je pense. Et surtout, qui va préparer l'arrivée des kits qui sort jeudi. D'ailleurs, je vous rappelle que jeudi, normalement, les deux nouveaux kits des Sims 4 vont sortir. Alors, comme vous savez, comme je suis Game Changer, EA Creator Network, maintenant que ça s'appelle, j'ai la possibilité de vous faire remporter les deux prochains kits. Normalement, le giveaway, je vous le ferai jeudi. Mais, c'est un petit mais malheureusement, j'ai très peur que on n'ait pas, enfin que moi, je n'ai pas la clé pour les kits. Très souvent, les kits, nous, en tant que créateurs de contenu, on les a pas forcément à 19h. On est supposé avoir à 19h, mais très souvent, on les a plus tard, voire même des fois le lendemain. Donc ça se trouve, jeudi, on sera sur le challenge de Sissourine, encore une fois. Mais je ne pourrai pas forcément jouer avec les kits. Donc jeudi, pour l'instant, au niveau du stream, ça va être la surprise. Je ne sais pas trop comment on va faire. Pour l'instant, ça va être au petit bonheur la chance. On verra comment ça va se goupiller. Donc jeudi, normalement, c'est challenge de 6 sous. Si j'ai les kits en temps et en heure, on découvrira les kits. Sinon, bah, on fera pas de découverte de kits. On fera notre jeu classique. Et à ce moment-là, le Animal Crossing qui sera vendredi, on fera un peu de Sims avant pour faire la découverte des kits. C'est dans les cheminées de toit. Merci beaucoup pour l'information. Ah, ça n'a pas marché ce que j'ai fait. J'ai trop le seum. Parce qu'en vrai, j'aime... En fait, j'aime pas quand j'ouvre les colonnes comme ça. Bon, il va falloir qu'on trouve une solution. Laquelle, je ne sais pas. Pour l'instant. Alors, tu m'as dit dans les cheminées... Ah bah oui, bah voilà. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Je pense qu'en vrai, faire ça n'est pas une mauvaise idée. Alors, on va y aller avec le mode tool, ça ira plus vite. Ah, j'aime pas du tout. Il va falloir qu'on trouve une solution avec une arche, parce que j'aime pas. Merci de m'avoir dit que c'était en cheminée, mais d'ailleurs, ça n'a aucun sens d'être en cheminée. Quoique c'est une poutre de toit. Alors, bon, de toute façon, ce qu'on a dit, parce que je sais plus ce que j'ai dit pour la répartition des pièces. Là, du coup, ça serait potentiellement le bureau slash bibliothèque. Là, on ferait la cuisine et ici, la salle à manger. À la base, ici, c'était la cuisine, ici, la salle à manger, mais ça me gênait. J'allais dire, ça me gêne de passer où alors. Ici, la salle à manger. Et ici, la cuisine. On va plutôt faire ça. Salle à manger ici et cuisine là. Ce qui fait que d'ailleurs, on va, à mon avis, déplacer ça d'un cran. C'est bon, ça va tout faire bugger. Que la pièce elle est un peu petite. Enfin, pas la pièce un peu petite, mais j'aimerais agrandir ça. Voilà. J'ai hâte que ces découvertes pour une fois beaucoup moins de jupes par rapport au dernier kit. Ouais, j'avoue que le kit de vêtements m'intéresse cette fois-ci beaucoup plus que le kit de construction, ce qui est assez rare quand même. Je pense qu'il est important de noter. Hop, la petite colonne vient à toi.
Mais on va trouver une solution hein, pour le truc de Sissou. Hein. Je sais pas encore comment, mais on va trouver une solution. Après, elle a dit une grande salle à manger. J'estime quand même que ça va être grand. Quoique, j'ai un peu peur que ce soit trop petit. Est-ce que vous croyez que je vais encore agrandir? Je vous ai mis les tester. Attendez. Alors par contre, on va casser les colonnes qu'il y a là. Bah ouais, du coup, je vais devoir casser tout ça. Pied. On va juste faire un dupliqué, ça passe. Voilà. Alors par contre, au niveau du toit, on n'est plus bon du tout. On va refaire le toit. Et pas plus mal parce que là c'était un peu étrange. Alors toi tu vas te mettre là. En vrai je pense que ça rendra mieux. Après ici on mettra des chiens assis, on mettra ce genre de choses. Hein, donc. Ah si le jeu. Voilà, puis bats-toi comme ça. Ouais, et puis bats-toi comme ça. Yes! Alors là, il va falloir qu'on trouve une solution parce que c'est trop ma stock. Je trouve que ça, déjà grand, ça ne me choque pas. Bah, en fait, comme c'est une maison qui va devoir être utilisée en gameplay, je pense qu'il faut que les pièces soient relativement grandes, mine de rien. Pour que ça soit agréable à jouer. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis trop peur. Donc, on va essayer de trouver une solution avec les arches. Parce que là, au niveau des arches, on n'est pas bon. Hop là. Parfait. Ici, on est bon. Là aussi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bug? Ah non. Ah, j'ai eu peur. J'aurais été pas très content. Mais sur ce, il aurait été colère. Donc là, on sera sur le bureau avec une cheminée à l'arrière, des bibliothèques sur tout le pourtour. Oui, Mimine, tu veux changer de couleur. Quelle couleur tu veux? Dis-moi tout. Finalement, attendez, on va remettre un mur là. Les packs font très jeu de base revisité. Ouais, c'est un peu ça. Le kit d'objet, il a l'air vraiment nul pour le coup. Et pourtant, j'étais en mode, ouais, je lui ai donné sa chance. Oui, bah en fait, non. Alors, voyons voir les arches que l'on a. On a celle-ci. Le problème de cette arche-là, c'est qu'elle est trop petite. Et coucou Tom, comment tu vas? Si je l'agrandis, c'est peut-être un petit peu trop. Il y a celle-ci, mais pareil, elle est passée dans le milieu. Ça, ça fait trop château, ça fait pas manoir. Il y a celle-là. Mais pareil, celle-ci, elle est trop basse de... J'aime pas la forme. Il ne faut pas oublier que l'intérieur doit être moderne. Il faut allier le moderne et le rustique. Donc ça va être un peu chaud patate. J'ai eu peur, je crois qu'elle n'existait pas en toute blanche. On va devoir, échelle, utiliser le mode tool, je n'ai pas le choix. En vrai, si je la mets en 1.5, elle passe. Maintenant, il faut juste que je trouve. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Oh, j'ai trop le seum. Ah vraiment, j'ai... Ah, j'ai peut-être pas si le seum que ça. Alors, techniquement, c'est ici.
si je dis pas de bêtises. Je la mets là. Oh, merde, j'ai cliqué sur supprimer l'étage. Non, 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 reviens en arrière, reviens, reviens. Dis-moi si je fais ça. Là, qu'on fait une élévation. Et que là, je me mets à 3, par exemple. Alors, peut-être pas autant. Moins 1. Élévation. Moins 0,5. Ah, peut-être... 0,3. Ah, on y est presque. 0,1. Oh, ça marche pas. J'ai trop le seum. Pourquoi elle est de couleur noire bizarre là? Ah, c'est à cause de la pièce. Ah, j'ai trop le seum. Ça marchera pas. Oh, j'ai trop le seum, les gens. Et puis, de toute manière, le bug... Ah bah, ça marche pas. Oh, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Pardon, coucou Tom. Pardon, excuse-moi. En ce moment, ça va super qu'il me reste 3 jours de... avant les vacances. Bah, beaucoup... Bah, beaucoup courage. Pourquoi je posais 3 jours avant les vacances? Oh, j'ai trop le seum. Ça marche pas. C'est con parce que ça rendait bien. Et j'ai pas le droit de mettre des un sous-sol. Donc, comme j'ai pas le droit de mettre de sous-sol, je peux pas rajouter la pièce, mettre un éclairage. Tout simple, en hauteur 3 pour les poutres, ça va pas. J'essaie de faire quoi? En fait, je dois faire le... Je voudrais faire une arche jolie en hauteur de mur moyenne. Qui fasse un peu manoir, quoi. Merci pour le avoir. Et du coup, j'ai pas vu le changement de couleur. C'était quelle couleur qu'on m'a demandé? Ah. Enfin, Mimine a demandé un changement de couleur, mais j'ai pas eu la couleur. On fait pas en deux fois. Une devant et une derrière. Parce que je crois que quand tu superposes deux arches... Ah, quoique. Non, c'est pas con ce que tu dis. Non, mais quand tu regardes bien, là, l'arche, elle est buggée. Parce que là, elle apparaît même plus blanche. De toute façon, il y a ça. Il y a ce truc-là et je veux pas. Une frise épaisse. Alors, regarde, si je mets... Tu parles d'une frise épaisse, tu parles de ça. Si je mets ça, ça casse tout le jeu. Ça cache ma construction. En fait, ça enlève ici la frise et ça baisse mes colonnes dehors. Et ça, je veux pas. Pour ça que c'est compliqué. Ah là, vraiment, on est dans la merdasse. Hein. Pour ça, c'est que ça bug et ça me saoule. Dommage, j'avais un truc bien en tête qui aurait bien rendu en plus. Même ça serait bien rendu. Mais bon, ça va pas. Après, celle de Riyad ou Rêve ne me choque pas. Ouais, mais... Je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ça. Ça fait, c'est vraiment très connoté Riyad, hein, donc... Non. Mariage, bah en fait, celle de mariage, elle est jolie, mais ça fait tout de suite cathédrale, quoi. Pour ça. Et si tu fais monter un objet que tu dupliques? Si je fais monter un objet que je duplique? J'avoue, j'ai pas compris.
Si tu mets des rideaux, ouf, ça va faire bizarre des rideaux. Je tiens en fait à monter mes plateformes. Je suis un peu dégoûté là, je vais pas vous mentir, 1,3. Je sais pas comment faire. 1,4. Mais si je sais ce qui va se passer. Hein. C'est qu'il va falloir que je trouve une solution pour faire une frise, quoi. La solution que je dois refaire, c'est à mon avis, hein, je n'ai pas le choix, et je vais devoir casser la frise qu'il y a là. Ou alors cacher le haut des murs restants avec des rideaux, des ornements muraux. Ouais. Oui, enfin ouais, je viens de comprendre. Ouais, non. Je sais, je suis relou. Hein. Mais vous avez l'habitude avec moi. Vraiment, je trouve ça trop dommage, quoi. Bah ouais, ça fait du charme à la façade. Bah je sais, c'est bien ça le problème. Pour ça, j'ai le seum. Mais bon, on va trouver une solution. On va trouver une solution et à mon avis, la solution, je l'ai peut-être déjà trouvée. Enfin, je dis ça. Non, casse pas le mur. Vous voyez, et quand je mets ça, ça rend bien déjà. C'est là où ça bug. Parce que sinon, pas que ça bug comme ça. Si je dis pas de conneries, il faudrait que là, je fasse une pièce, je crois. Parce que là... Ah bah non, toujours pas, hein. Le pire, c'est que vous voyez, la frise, elle est là, mais elle est invisible. Elle est à combien, la maison, là? Elle est à 100 000 simflous. Remets la frise avec shift, ça marche. Non, regarde, ça marche pas. Bah, on la voit pas. Elle, techniquement, on entend qu'elle se place, mais on la voit pas. Merci MDD pour le flow, merci beaucoup. Là, on voit qu'elle se place, mais elle est invisible. C'est pour ça que j'ai trop le seum. Après, attendez. Ah ah! Attendez, quoi placer en dehors de quoi des limites? Qu'est-ce qu'il me raconte le jeu? Non, pas toi, pas toi. Parce que là... Attendez, c'est une blague. Là, ça apparaît comme ça. Bon, par contre, ça gâche. Oui, non, ça gâche, c'est pas joli. Là, c'est trop. Le problème, c'est vraiment, c'est si je mets là comme ça en appuyant sur Shift, ça m'enlève, quoi qu'il en soit, ça m'enlève ici et là. On a une pointe de frise qui entre dans ton... Ah, ça, c'est trop chiant. Et coucou, Lev, comment ça va? Coucou, MDD. C'est le charme d'affaire. Mais ouais, comme je disais, je sais, mais bon. Quand tu mets en entier la maison, ça se voit pas. Non, regarde. Ça a vraiment disparu, on la voit plus. Donc j'ai le seum là. Si jamais vous avez la résolution de ce bug, j'avoue, je suis extrêmement preneur. Il n'y a aucune logique dans le placement des frises parce que techniquement. Bah, en fait, elles y sont, les frises. C'est juste qu'elles sont invisibles. Regarde. Là, en fait, elles se placent à l'intérieur. C'est ça qui me saoule. Attendez, j'ai une idée. Je peux faire bugger le jeu. Comme ça.
Oh sa mère, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la putain de solution. Ok. Oh, non, sa grand-mère, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Le jeu t'était bon il y a encore quelques secondes. Mais... Quoi? Ah oui, d'accord. Très bien. Ah ouais, ok. Donc là, si je ferme la frise ici, je perds la frise là. Alors, vous savez quoi? On va tricher. Quand je dis qu'on va tricher, vous allez comprendre ce que je veux essayer de faire. Il me faut toi. Parce que le jeu, on peut l'avoir avec une d'une certaine manière. Oh non, ça marche pas. J'ai trop le seum. Ça aurait dû. Bon, de toute façon, la frise, elle a redisparu. Oh! Mais je vais pas faire une marche comme ça, ça va être bizarre. Là, si je ferme, ça fait quoi? Ça casse l'arche. Enfin, ça casse ça. Oh, comment ça me casse les pieds? Non, le Deletion Protection ne marche pas pour ça. Ah, quoique, attends. Mais non, normalement, il ne fonctionne pas pour ça. On peut essayer, mais il me semble que ça supprime, ouais. Deletion Protection ou pas. Non. J'ai le seum. Je peux pas me permettre de faire un... Je sais pas comment je vais faire. Je dois vous avouer que je sèche, je sais pas. Et si tu fais, la barrière n'est pas sélectionnable avec le mode tool. Je l'aurais fait. J'ai trop le seum. Parce que vous voyez, là, le problème, c'est que bah là, c'est des... elles sont toutes petites là. Vas-y, là, le jeu. Il va même pas m'obtenir ça, quoi. Je suis saoulé. Je peux pas monter avec haut. Non, les barrières, tu peux pas. Et la frise, elle se toule non plus. Vous pouvez touler techniquement les colonnes, mais c'est tout. Ah, c'est pour ça, j'ai le seum. Coucou Sodi, comment tu vas? Ah, et si j'enlève ça, le problème, c'est que ça fait tout chétif, quoi. Et sans ça, bah, ça casse le charme, quoi. Là, je vous dis, je suis vraiment dans la merde. Au pire, je me dis, bah, je casse ça. Mais en fait, le problème va être la même chose. C'est à partir du moment où je mets des plateformes. Et attends. Hop. Et bah ça supprime. C'est pour ça que j'ai le seum. Et là, je dois vous dire que je ne sais plus quoi faire. Ah oui, non, moi je le veux à l'extérieur, les gars. Voilà. J'ai le seum. Je sais pas comment je vais faire.
Pas si je le recule de 1. Jamais sur un malentendu. Alors, toujours pas. Voilà. Ah, j'ai le seum. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai le seum. Et si tu toules les colonnes, comme ça tu as en entier, tu trouves un objet que tu toules pour cacher l'endroit où il n'y a pas de frise. Tu peux cacher avec une plante ou au mur. Comme avec le bug qu'il y avait. Mince. Comme avec le bug qu'il y avait là. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui, j'ai mis une. Je fais caca. Non, mais le jeu me fait caca dessus, mais ça, ça fait un bout de temps maintenant qu'on le sait. C'est juste que là, on a littéralement confirmation que le jeu me chie dessus, quoi. Là, le fait que ça fasse ça. Mais ici, on va mettre une plante. C'est quoi? On va mettre une plante grimpante. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Je pense que c'est la seule solution qu'on a. Pour qu'on ait les colonnes à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Bon, là, la limite. Bon, on trouvera une solution. Comme d'habitude, très beau merci. Coucou à toi, Gaël. Bah, ravi que la construction te plaise. Moi, pour l'instant, je suis au bord de l'AVC. Mais sinon, ça va. N'empêche, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour que ça puisse... Ah, ça marche plus. Ah non. Hein. Ah non, le jeu, mais c'est pas possible. Alors. Ah oui, bah là on est sur du bug depuis tout à l'heure qu'on essaye de résoudre tant bien que mal. Allez, j'ai niqué le jeu, voilà. Alors je dis ça, mais attendez. Oh, ça, je l'ai vu, la frise, elle a disparu. Ne me dites pas qu'il faut que je garde le... Là. Ok. Et là, si je fais ça, ça me l'enlève. Ça n'a pas de sens. What? Mais non, mais... Ok. Changement de plan. On va y arriver. On va y arriver. Je vous jure que si ça fonctionne, je mets un Alléluia. Et coucou, Melissa. La barrière, tu pourras remettre normalement vu que tu as baissé la plateforme. Non, parce qu'en fait, le fait que à partir du moment où je ferme... Je vais te montrer. Si je ferme ça, ça me fait sauter la frise, regarde. T'as vu? Ça me fait sauter la frise. Je ne peux pas. Ah vraiment, là on est sur du bidouillage. Oh yes. Donc là maintenant je fais ça. Oh. On est bon. On est bon. On est bon, sa grand-mère. Je te regarde. On est bon. Et vous savez quoi? J'ai déjà l'idée. Hop là, le petit cyprès là. Eh ben ni vu ni connu, voilà, il y a un trou dans la rambarde. Mais que nenni, puis là on mettra autre chose. Là, on va mettre ça, qu'on va légèrement agrandir. Échelle 0,8. Alors, j'ai dit légèrement 0,7. Ah, bah, toujours trop grand. 0,6. D'abord, ça va être ouais, parfait. Avec la décoration et tout, ça passera comme une lettre à la poste. Voilà. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que ça prend pas en compte ça. Voilà, merci. On a trouvé la solution quand même. Et coucou, Soyez. Tu parles des Sims. Non, mais les Sims, je vous jure, je vais faire un AVC. Et coucou, Ciel. Voilà. Ça s'est enlevé devant. Non, mais ouais, vraiment, c'est... Et vous êtes... Merci. Puis le problème, il est également là. Pas à cause de la pièce sous le terrain. D'ailleurs, faut que j'enlève cette pièce. Non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est vraiment parce que le jeu...
Ça a disparu. Mais ça a disparu quand? Oh, j'en ai trop marre. Mais c'est quand... Vous savez quoi? Ça là, je vais le laisser en hauteur et je vais mettre un objet dessus. Et on n'en parle plus. Mais ouais, non mais... Mais ça, vous le savez, que mes constructions, des fois, je peux rester longtemps sur un bug comme ça. Surtout qu'en plus, Sissou, elle va y jouer en mode gameplay, donc... elle va rester longtemps sur la construction, entre guillemets. Enfin, c'est si jamais elle prend ma construction, bien entendu. Donc pour ça, la maison doit être parfaite. Et je viens d'avoir une idée. Ça, on va plutôt le creuser en dessous. Mais ça, grand-mère, c'est pas possible. Mais le jeu, il me pisse dessus. Mais pourquoi? Ah ouais, là, le jeu, il me pisse tellement dessus qu'il a dit non, ça reviendra pas. Oh, j'en ai trop marre! J'en ai trop marre! Bah, vous savez quoi? La partage que tu que quelqu'un essaie. Oh, ça changera rien. Ça changera rien. Bon sang, on va faire comme ça. À la fin. D'ailleurs, petite question. Il y a fort fort longtemps, j'avais une maison dont j'étais extrêmement fier. Problème, au moment où j'ai voulu jouer dedans avec ma famille, aucun meuble ne s'affichait et mon Sims ne pouvait y entrer alors qu'il était propriétaire. Est-ce que tu sais d'où ça vient potentiellement? Alors là, j'avoue, je ne sais absolument pas. Est-ce que tu as des mods? Ça doit venir, à mon avis, des mods, mais si tu en as. On va mettre une arche. Oui, oui, j'ai... Je viens de voir là. Ça là. Je sais pas pour... Mais... Et moi, je vous jure, je vais faire un AVC avec ce jeu. Vraiment. Et vous savez quoi? Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Il n'y aura pas de freeze. On va trouver une solution, je ne sais pas laquelle. Il n'y aura pas de freeze. Il n'y aura pas de freeze ici, là, sur tout le pourtour. J'abandonne. Je m'avoue vaincu. Le jeu. Je m'avoue vaincu. Voilà ce que j'ai à dire. Je m'avoue vaincu hier, vous m'avez eu, je suis désolé. Là, je n'ai plus la patience. Je trouverai une solution, je ne sais pas laquelle, pour que ça rende joli à un moment donné. Je suis là, je vais mourir. Je vais faire un AVC, ma tête va exploser. Ici, on a dit que c'était la salle à manger. Hein. De toute manière, ici, il va y avoir un conduit de cheminée. Que ce soit logique, donc voilà le conduit. Ça se trouve, c'est ça qui va solutionner tout le problème. La réponse est non. Et si tu remets les murs en taille normale? Bah, si je fais ça, ça va les casser. Et ouais, si je réinitialise comme ça, non, ça marche pas. Non mais c'est pas grave. Hein. Proposer pour l'arrondi d'utiliser des petites frises deuxième catégorie. Ah je l'ai pas vu, pardon Lucifred. Petite catégorie, celle-ci. Mais le problème c'est qu'en fait ça marche pas. C'est ça le problème. C'est qu'en fait à cause de ça... Non, mais c'est à n'y rien comprendre. Tu vois, je peux pas en mettre. En enlevant les grosses frises d'abord, puis les arrondis.
En fait, les grosses frises... Regarde, je te montre. Les grosses frises, elles ont un intérêt parce qu'elles font baisser... Oh, plutôt, ça marche pas. Comment ça se fait d'ailleurs que ça marche pas? Mais non, mais... Attendez, si, je crois savoir pourquoi ça marche pas. Là, il y a ce machin, là. Ça se trouve, c'est ce machin qui me pose problème depuis tout à l'heure. Attends. Je pense pas que ce soit ça, mais... Et après, promis, on fait de la dé... On va continuer à construire, parce que là, on n'avance pas. Là, ça, visiblement. Ça fait quoi? Ça fait 1h15 qu'on est en stream, on n'a pas avancé. Des fois, j'alterne avec... Ouais, non, mais oui, je me doute. Mais tu vois, là, par exemple, ça veut pas. Mais... Parce que... Imaginons que je mette ça. Parce qu'on ne l'a pas fait, ça, encore. Voilà. Là, on est d'accord qu'en faisant ça, je peux normalement mettre des frises sur le pourtour qu'il y a là. Ouais, génial. Oui, techniquement, voilà, elles sont là. Le problème, c'est qu'elles ne font pas baisser les frises. Ouais, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je trouverai une solution, je sais pas laquelle. Mais pour l'instant, on va se centrer sur l'intérieur de la maison. Là et là. On va mettre des petites arches. Là, là, là. Ouais, j'ai vu la frise. Voilà. Ici, pour l'instant, on laisse comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va changer. Même sur l'arrière. Hein. L'arrière va changer parce que j'aimerais... Ah, mais non, il y a une cheminée, là. J'aurais trop voulu mettre une serre. Ici, j'aurais trop voulu mettre une serre. Et sur le côté, là, il y aurait une piscine. Vraiment, de l'extérieur, elle rend trop belle, la maison. C'est juste là où c'est pas très joli, mais j'ai ma petite idée. Vous savez ce que j'ai comme idée? Et en vrai, je suis bête de pas y avoir pensé plus tôt. Alors, je sais pas ce que ça va rendre. Ça se trouve, ça va être très moche. Mais si je vais dans surface, dans étagère, que je prends ça, que je la mets en blanche, dis-moi que tu es... Que je t'agrandis. Et que je te fais une rotation. Que ça ne marchera pas. Je viens de tilter parce que c'est trop petit. Mais essayons quand même. 90. Alors. Non, ça aurait pas bien rendu. Ok, bon, bah c'est pas grave. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, c'est pas grave. Surface, rangement, décoration. Ah, décoration murale. Attends, il y a peut-être un truc avec la décoration murale. Parce que je sais que la copine Cyril, parce que j'ai ce problème-là depuis la dernière fois. Hein. Et coucou Sandra, ouais, je sais, il y a une mise à jour, mais pour l'instant, je me suis pas renseigné dessus. Je dois avouer que je n'ai pas regardé. Attendez, à tout moment... Je sais pas si ça va bien rendre ça là. Ça va être relou. Hein. Ça va être relou à placer. Là, il y a un petit jour, mais c'est pas très grave. Ah, c'est ça que tu me disais? Ah bah, écoute. En effet, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je trouve que ça a un peu trop mouluré, mais bon, de toute façon, il n'y a que celle-ci que je peux utiliser. Ah, j'adore ce jeu. Bah, de toute façon, je crois qu'on va être obligé de faire ça. Il n'y a que celles-ci qui vont matcher. Voyons voir. Bah, j'aime pas du tout. J'aime pas trop. Sur la terrasse, je suis sûr qu'il y a une solution. Ah bah oui, sur la terrasse, oui, c'est sûr. Hein.
Ah, attendez. Si je les mets vraiment en blanc-blanc, pour effacer... Parce qu'en fait, c'est qu'il y a une différence de texture. Ah, ça peut peut-être le faire. Ça va le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que par-dessus, je vais rajouter des plantes. Je vais rajouter des plantes, et comme ça, on est sauvé. Parce que là, si je rajoute les plantes que l'on a ici, le lierre là, si je le mets dedans, voilà. Alors pas partout, juste le mettre aux endroits où, genre par exemple ici. Oh, c'est pas du lierre d'ailleurs, c'est de la glycine, glycine. En vrai, ça peut peut-être bien le faire. Et coucou Kashi, comment tu vas? J'adore les Sims 4, bon tant mieux. Et ouais, alors par contre, pour la mise à jour, je sais toujours pas de quoi il en retourne sur les Sims. Je pense que c'est une mise à jour corrective de bug. Je vais regarder, attends, je regarde sur, Twitter. Bah écoutez, j'arrive pas trop à voir. Pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. On va pas mettre ça partout. Bah écoutez, j'arrive pas à trouver les infos. Peut-être qu'on les aura après. Ou tout simplement, c'est une mise à jour corrective. Une note sortira sous peu. Je vais attendre que l'univers Sims. La note. En vrai, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'était mieux avec ça, quand même. On va pas se mentir. C'est horrible. Je me suis retrouvé face à une énorme araignée dans mon salon. J'ai appelé ma maman en pleurs pour avoir un soutien psychologique. Bon, j'espère que l'araignée est décédée. Que toi, ça va bien. Bon là je pense que c'est même sûr et certain, on va faire une serre. Je veux trop faire une serre ici. Quoique. Bon bref. J'ai trop de trucs en tête qui me viennent en tête, c'est horrible. Ici c'est le bureau, c'est sûr. Mais il me faut, quoi qu'il arrive, des fenêtres par contre. Parce que là il n'y a pas de fenêtre et c'est un peu glauque. Je constate que ma fille n'est pas la seule à m'appeler quand elle en trouve une. Ah oui. Non, moi ça va, les araignées. Alors, les araignées, j'aime pas ça. J'ai pas peur. J'aime pas ça. Donc j'en vois une, je me dis, c'est dégueulasse, puis je la tue. Ah, y a pas de. Ouais, mais c'est une bête sans défense. Je m'en fous, c'est une araignée, tu rentres chez moi, je te tue. C'est tout. L'araignée est décédée, je voulais pas forcément la tuer, mais c'était elle ou moi. Bah oui, je me doute. En même temps, il y en a besoin vu le nombre de bugs. Ouais, bah ça, je me le crois. Hop. Ok, bon, ça c'est pas trop mal. Ça j'aime pas du tout, mais une fois qu'on va meubler, on va rajouter plein de plantes. Et en vrai, avec les plantes, ça va nous sauver. C'est la maison pour la fille de Barbie. Coucou Astali. Alors c'est pour le challenge de 6 sourines. Donc c'est le challenge pour Barbie femme d'affaires. Voilà. Donc on est sur un challenge d'envergure. Hein. On est sur un. Oh non. On va pas mettre les calls. Ah, mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir mettre les colonnes là-dedans. On le sait. De toute façon, ici, on a dit que c'était la cuisine, de toute façon. Donc, on s'en fout. On s'en fout, il y aura des comptoirs. Ici, ça va être la salle à manger. Dites-moi que je peux mettre des colonnes. Oh, j'ai trop le seum. Je peux pas mettre de colonnes.
Ah, oh, ça me... Et le pire, c'est quand tu casses le mur, il n'y a pas de colonne qui apparaît. Enfin, il n'y a pas de... Bref, c'est pas grave. Si j'enlève ici la plateforme, par contre, avec un peu de chance, et bah la réponse est non. Oh, c'est bug à la con. J'ai essayé de trouver la solution, c'est peut-être à cause du toit à l'étage. Bah, même pas, parce que là, le toit à l'étage, si on regarde... Regarde ici, tu vois, il y a une pièce, donc c'est pas à cause de ça. Non, vraiment, c'est le jeu qui est buggé. De toute façon, les freezes, c'est insupportable dans les Sims. Les freezes sont buggés du cul, hein, littéralement, et ça ne marche jamais. Donc ça ne me, enfin c'est pas que ça me choque pas, je suis habitué. Donc on va essayer de trouver une solution. Là, en effet, les colonnes auraient rendu incroyablement bien. Et bon, le jeu ne veut pas, donc pas. Hein. C'est pas grave. Ou alors, est-ce que la cheminée... Non, je vais la mettre là. Ici, on a dit que c'était la salle à manger. Donc, Tissou, au niveau de la décoration, elle veut à l'intérieur, et c'est ça qui va être très dur pour moi, c'est du moderne, du luxe, etc. Moi, j'ai l'habitude de faire des choses vieillottes, et c'est clairement pas ce qu'elle veut. Donc, j'avoue, ça va être un challenge pour moi de construire quelque chose dans un style victorien, qui est un de mes styles de prédilection. J'adore m'arracher les cheveux, d'ailleurs. Ça me fait le même bug ici. Hop. Et il va falloir allier le moderne et le vintage. Enfin, pas le vintage, mais le rustique sans que ça fasse vieillot. Ça, ça va être dur pour moi. Je suis trop dégoûté. Là, ça marche pas. Après, comme j'ai dit, là, en principe, je suis supposé mettre. Dis-moi que ça monte là. Yes! Ah, j'ai peut-être la solution. Ok, j'ai une solution. Alors, j'ai une solution pour cette pièce-là, en tout cas. Et là, on va faire une serre, comme je l'ai dit. Je sais que la serre n'était pas spécialement dans les règles de Sissou. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir le casser. Ouh, j'ai très peur que ça me fasse de la merde sur le... Bah, au moins, ça corrige le problème de la colonne. C'est au moins ça. Ça, oui, je peux limite agrandir le bureau. Ça, on va pouvoir t'enlever, toi. Ah! Ah, merdasse. Eh mais attendez, il y a un... Ah oui, non, mais je me suis fail, en fait. Ok. Là, toi. Là aussi. Niveau des colonnes, je pense à ne pas trop en mettre, parce que personnellement, en gameplay, c'est une horreur à jouer. Mais il me semble que les colonnes à l'intérieur, elles sont supposées se désactiver, non, quand tu es en mode jeu. Non? Si en effet, il y en a trop... Si c'est une horreur pour jouer... On les enlèvera. Bon, j'ai pas l'habitude, moi, de faire du gameplay. Bon, après, on ira avec mon Sims à l'intérieur de la maison pour voir si Jay peut aller dans toutes les pièces. Alors, pourquoi ça veut pas? Hop là. Alors. Parfait. Solution derrière, tu prends la maison sur un autre terrain ou monde. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ce bug est très connu des freezes et je n'ai trouvé aucune parade ou très peu. Du moins, pour la maison, ma maison en fait elle est trop complexe. Et du coup, ma ruse que je veux utiliser ne marche pas. Bah là, en vrai, de vrai, le mieux à faire, c'est tout simplement décaler la partie du tout, de la pièce. Ah, le jeu!
On va créer une fausse pièce à l'intérieur qu'on va pouvoir agrandir artificiellement. Voilà. Et là, on refera le toit après. Hey! Vu l'arrière, c'est pas placé correctement. Peut-être un plafond devant. Non, le plafond, on l'a déjà. Attends. Si je casse le plafond, par exemple, la frise, elle se mettra pas. Alors, par contre, là, elle s'est enlevée. Non, le jeu. Qu'est-ce qu'il me fait ? Et des fois, ce jeu, et des fois, moi, je comprends pas ce jeu. Voilà. Regarde, si je la mets là, là, oui, elle va se mettre, mais pas ici. Il y a eu un bug là, non ? Oh ! Alors, voyez ça, par exemple, c'est pas possible. Ça, il va falloir qu'on corrige ça. Là, en mode jeu, vous allez me dire que les colonnes, elles restent comme ça ? Si elles restent comme ça, pauvre Sissou, elle va péter un câble. Hein. Bon, on verra. En tout cas, ça, je sais d'où ça vient, les petits bugs comme ça. On va corriger. Enfin, on corrigera ça après. Alors, ici... On va faire une verrière et on va faire un toit verrière. Donc autant vous dire que quand je dis ah bah c'est bon, on a corrigé les problèmes, je vais m'en rajouter d'autres, ne vous inquiétez pas. Moi j'aime souffrir avec ce jeu. Le mage F5, maintenant si je mettais le mage F5, je galérerais un peu moins. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, instant de vérité. Instant de vérité qui fonctionne. Oui, alors, qui fonctionne, oui et non. Ça rend pas mal, hein. Ouais, il n'y a pas de toit. Je vais rajouter un toit après. Ici, on va mettre une porte. Ouf, ouf. Attendez, avec un peu de chance, ça a dû corriger le problème. Ah bah oui, là, ça corrige le problème, forcément. Mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Alors, mettre des fenêtres là, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Au niveau de la porte, ici, on va mettre une porte. On va mettre laquelle ? Il faut... Oh, celle-ci. Mais celle-ci, bien entendu. Très bon ordre de Charmed pour le coup. Et moi j'aurais mis des colonnes. Le problème c'est comme vous avez dit. Ouais, les colonnes en jeu c'est un peu horrible. On va faire des tests. Là maintenant, bah oui, forcément. Ayant cassé le. Oh putain. J'ai envie de buter le jeu. C'est ravi, hein? Après, si toi voulais une grande demeure, moi je lui donne une grande demeure. Hein, au bout d'un moment, là. Alors, là, on va rire. Oh bah peut-être pas. En vrai, et on a peut-être de la chance. On va avoir de la chance parce qu'en vrai, je crois que ça va rendre trop bien. Alors, peut-être pas celle-là. On mettra de la glycine tout autour, je pense. Et ça va super bien rendre. Par contre... Ouais, au niveau de l'éclairage, c'est un peu chelou. On va prendre cette porte et il va falloir qu'on puisse sortir. Donc, il va falloir que j'enlève les fenêtres. Que je les place différemment. Eh, mais si je fais ça, elle déplace de l'autre côté. Ah! De toute façon, je fais ça. Hein.
Il faut qu'il y ait un accès au jardin. Bah en vrai, si je fais ça, c'est bon. Ça dépasse de l'autre côté. Ah, ça dépasse beaucoup de l'autre côté. Ce qui est pas logique d'ailleurs. Voilà. Et là, on trouve une solution. Bah oui, alors c'est prévu. C'est une serre, donc c'est prévu. Alors après, je me tâte. Est-ce que si je fais ça... Non. Non, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Ça ira bien. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'on est vachement haut, là. Voilà. On réduit de manière artificielle. Et là, on trouve une solution pour que ça rentre bien. Quand je vais à part pour peindre... Ouais. C'est un peu l'idée que j'avais. Là, on est bon. Là, on verra, parce qu'ici, comme j'ai dit, c'était le bureau. Ici, la cuisine. Ici, la salle à manger. Là, on va faire les toilettes. Slash salle de bain. La grande entrée, comme vous laissez sourire. Voilà. Non, en vrai, on a tout. On a tout. On a le bureau, slash bibliothèque. Et coucou, Citroën soviétique. Coucou à toi. Coucou, coucou. Alors, au niveau du sol, il y a une petite fenêtre carrée qui ressemble à celle... Ouais, je sais, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi à celle-là. Elle est où ? Elle est où, elle est où, elle est où ? Thomas, je vous le dis, si je peux pas mettre de... Si je dois enlever toutes les colonnes... Je vais plus rien. Parce que pour moi, les colonnes, c'est ultra important dans les constructions dans les Sims. Si je peux pas en mettre, je vais pleurer. Mais j'ai un peu peur qu'en gameplay, en effet, il y a un problème. Elles sont où ? Là. Mais oui, en effet, elles existent en toutes petites. En effet, en effet. Attendez, je viens d'avoir une horrible idée. Oh bah l'horrible idée va être conjurée immédiatement. Ah, pas la même taille. Donc bah non. Ok, bon. Alors, oh, j'ai une... Ça a pété. Hop, toi tu viens là, toi tu viens là. Et voilà. Bah franchement, je pense qu'on est quand même pas mal là. On va changer ta couleur. Yes. Pour l'arrangement des pièces à l'étage, on verra ça plus tard. Là, clairement, j'ai envie de me centrer sur le rez-de-chaussée. On continuera à l'extérieur sur un autre stream. Là, j'ai envie de commencer un peu la déco... Enfin, qu'on commence à réfléchir à la décoration à l'intérieur. Parce que ça va pas être une chose simple. Tissou, elle veut du rose, de l'épuré. Et rien que ça, ça va être compliqué. Alors, je mets ça juste pour m'assurer que les Sims puissent grimper. Et c'est là que j'ai très peur, parce que là, c'est sûr, ça marchera pas. Eh, t'es griffe, Noxy. J'ai l'air, Noxy, si Sourine veut un grand escalier, donc j'ai fait un escalier comme ça. Ah, t'es griffe, mon chat, t'es chiante quand tu fais ça. Hop. Remarquez que le bureau va être petit. Ouf, quoique. Ah, on pourrait utiliser la porte bibliothèque en mode passage secret. Bon, normalement, on est d'accord, hein, les Sims peuvent passer là. On fera un test, on va y aller avec mon Sims. Tant pis, on mettra pas ça comme... Comment dire ? Je mettrai pas les escaliers. Donc, ici on va faire la cuisine. J'ai l'impression de faire une jolie cuisine avec des comptoirs ici à l'intérieur avec le mode tool et tout. Certains comptoirs ne seront pas utilisables, mais la grande majorité le sera. Donc, au niveau des couleurs,
Sissou a dit qu'elle voulait donc des tableaux, des plantes, des sculptures. Ça, il va y en avoir plein. Donc ça, ça va le faire. Il doit avoir en effet épuré, propre, tendance et raffiné. Mélanger l'origine de maison victorienne, des colonnes, grands escaliers, grandes fenêtres, avec le moderne et le haut de gamme. C'est ça qui va être compliqué de ouf. Vraiment, ça va être ça ou ça va être ouf. Voilà. Ça va être chaud patate, quoi. Et déjà, j'ai envie de commencer par la salle à manger. Parce que oui, j'ai envie de, déjà de me casser les pieds. Donc, papier peint. Voyons voir un peu dans les teintes de rose ce que l'on peut avoir. Parce que oui, il faut qu'il y ait quelques petites teintes de rose. Autant vous dire que psychologiquement, je ne suis pas prêt à mettre du rose dans cette maison. Enfin, si, exactement. Que je comprenne le concept. On est sur de la simple rénovation où c'est tout où tu comptes après jouer dans cette maison. Alors, on n'est même pas sur une rénovation. Là, actuellement, on est littéralement sur un challenge construction de mon ami Sissourine, qui nous demande de construire une maison style victorienne, un peu comme les chroniques de Bridgerton, pour un de ses gameplays. Voilà, tout simplement. Donc, on a pas mal de listes de choses à faire. Notamment, on a des pièces qui nous sont imposées. Voilà, genre une grande salle à manger, une cuisine, un bureau, une pièce entre guillemets de loisirs. On a deux salons à faire, un énorme hall d'entrée, des toilettes au rez-de-chaussée. Dans un style à la fois vintage, enfin, comment dire, victorien, mais à l'intérieur, ça doit être moderne. On a vraiment pas mal de choses. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, voici le lien des règles de Sissourine. Je crois qu'il y a plusieurs colonnes, je les vois glitcher. Donc, mince, en plus je me suis planté. Alors, papier peint, on a dit rose, voilà. Donc, voyez un peu tout ce que l'on a. Magnifique, mais... Bien sûr, on va mettre ça. Moi, je vous propose qu'on mette ça. Je pense que c'est sobre. Et c'est basse partout. C'est vomitif. Ouh, j'ai peur de ce que je suis en train de faire, là. Enfin, peur, oui et non. Vous voyez où je vais en venir? Je sais que vous avez compris déjà ce que je vais aller faire. Ah, mais là, c'est pas beau. En principe, là, ça devrait être bon. Oh, je crois que j'aime bien ce papier peint. Bah, je suis d'accord, mais pas que cette cheminée. Papier peint, il est pas dégueu en vrai. Ça, ça fait trop rustique. Des petites teintes de rose escalade. Il faut pas que ce soit non plus que ça. Mais par exemple, je vais essayer de foutre ce papier peint dans une des chambres, par contre. En tête de lit. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y aurait une tête de lit comme ça. Oh, tu es un ami Sissou. Oui, je suis un ami Sissou, à Lilou Rose. Quoi, toi d'ailleurs sur TikTok? Ou quoi, c'est sur TikTok d'ailleurs? T'as conscience de quoi? Merci beaucoup. Après, on a ce petit rose. Enfin, ce petit saumon. Totalement ce que. Barbu. Barbu? Ah, elle est barbu. Ok. Mais ouais, en vrai, on va peut-être mettre ça. Je m'en mords les doigts. On va mettre ça. Voyons voir au niveau du sol. Le sol, on va mettre du parquet. Parquet pointe de Hongrie. Mais parquet pointe de Hongrie. Enfin, chevron. Oh, que c'est moche. Oh, je vais trop avoir du mal. Je vous le dis direct. Aïe. Je vais avoir du mal. Alors. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez ce qui va se passer. Je vais mettre des moulures au mur. Enfin, des moulures au mur. C'est pas ça qu'on va mettre. On va mettre... Elles sont où? Il est vrai qu'on aurait pu rajouter ça.
au final. On aurait pu rajouter ça. Couleur blanche, blanc blanc. Bah t'existes pas en blanc blanc parce que t'es un jeu pourri. Oh. Donc non, on va utiliser. Ah quoi que. Ah on a ça aussi. Non ça c'est éclaté au sol. Perso j'ai mis un carrelage blanc, marbre noir pour la modernité. Ouais mais j'aime pas le marbre, ça pas. Enfin dans les Sims je le trouve moche. Je pense que je vais pas avoir le choix. Bon. On va effacer ça. On va rajouter, comme je dis, les isomures. Il faut juste que je trouve ce dont j'ai besoin. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Pas celui-là, en tout cas. J'ai l'impression d'être aveugle. C'est pour ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous voyez ce que je vais faire. Ça donne quoi ça à l'envers? Ah oui, non, c'est recto verso. Je trouve pas. Ah, j'ai le seum. Mais c'est pas possible. Attendez, j'y arrive pas. J'ai mis le parquet dans les chambres seulement. Je vais voir, moi. En fait, là, vraiment, je sors de ma zone de confort, mais puissance 20 000. Hein. Vous allez le voir, je vais galérer. Vraiment, ça va être chaud patate. Hein. C'est dans le pack... Est-ce qu'il n'y a pas d'enneigé? Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Ceux qui ne me connaissent pas, je suis devenu un pro dans les moulures au niveau des murs avec ça. Au début, c'est un peu étrange, mais vous allez très vite comprendre qu'en vrai, ça rend super bien. Il faut juste... avoir un peu de patience. Alors par contre, la patience est bien gentille, mais là, je vais un peu galérer, je pense. Ah, mais j'ai mis une plateforme. C'est pour ça que je galère. Je pense que ça me dépasse de l'autre côté. Ça se voit pas. Non, c'est pas grave. Hop. Voilà. On fait la même chose ici. Je dois faire une tête trop bizarre quand je suis super concentré. Voilà. Parfait. J'avoue, qu'est-ce que je me suis demandé. Ouais, mais tu vas très vite comprendre après. Ça, je pense, les gens qui me connaissent qui sur Twitch depuis un bout de temps et qui me voient construire, on est d'accord que je pense que ça, c'est ma signature au niveau des maisons. Clairement, quand on voit ça, on sait que c'est moi qui fais la coupe. Alors là, j'avoue, ça va être un peu étrange, par contre. Ouh, comment ça va être relou, là. Je sais que dans cet angle-là, on mettra une plante. Pourquoi le mage F5, il marche? Ah, il marche. Ah si, il marche, en plus. Alors. Mais ouais, comme je disais, hop, en plus je relis le même message, excusez-moi, je radote un peu. Hop là. Alors, par contre, les bugs d'éclairage, ça par contre, c'est le genre qui me fait vriller dans ce jeu. Les colonnes restent et pas tout le temps, mais quand. Suivant les angles où elles sont. Attends, de quoi tu parlais, Anaïs? Les angles sortants comme ça, ils sont super chiants à faire avec ma technique.
Voilà. Code à l'intérieur de la maison. Ah oui. Après, techniquement, il y a une technique, mais en fait, elle saute à cause de la galerie. Si vous appuyez sur l'option d'agrandissement des objets sur une colonne, vous pouvez techniquement casser la restriction de hauteur. Je vous montre. Ici, vous voyez que ma colonne, elle refuse d'aller plus haut. Et si vous appuyez sur la touche agrandissement d'objet, vous allez pouvoir en fait l'agrandir artificiellement. Le problème, c'est qu'une fois que dans la galerie, la colonne prend conscience qu'en fait, elle n'est pas à la bonne hauteur. Et quand vous la remettez dans votre construction, enfin, quand vous la téléchargez, et ben, la colonne se rebaisse automatiquement. Voilà, c'est un de mes grands drames de construction, parce que techniquement, il y a une astuce pour les colonnes, mais elle saute quand on la met dans la galerie. Parce qu'encore une fois, la galerie, c'est du caca. Vous en pensez quoi? J'aime bien, moi. Et je pense qu'ici, au lieu de mettre des colonnes très épaisses... Non, mais celle-ci... Bah non, je vais avoir le même problème. Mais non, mais celle-ci, on ne peut pas mettre de colonnes. C'est pas trop mal, en vrai. Au niveau de la cheminée... Cheminée... Et coucou, Ava, comment tu vas? Alors, la cheminée, ça va être quelque chose. J'ai pas envie de mettre cette cheminée, ça elle est vraiment moche. Celle-ci est jolie, mais elle fait trop rustique. Là, celle-ci. Ça m'emmerde. Parce que là, j'aurais voulu mettre une colonne, mais je vais pas pouvoir à cause du bug à l'arrière. Et toi, bah écoute, ça va. On essaye de faire la maison de Barbie. Voilà. Je galère. Je galère mes grands morts. Littéralement. Je sais pas. Là, il manque un morceau. Je suis dubitatif en vrai sur le papier peint. Ce rose là, il me brûle la rétine. Ouh. Non, c'est la. Enfin, c'est la couleur des murs. C'est un peu un tout. Ou alors, je remets du rose. Après, le rose, on n'est pas obligé de le mettre partout. Elle l'a dit. Mais en fait, j'aime bien cette couleur là. Cette couleur-là, elle rend bien. Je pense que cette couleur-là serait plus facile à utiliser. Alors. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, on est d'accord, il manque quelque chose. Il manque, on appelle, une frise. Ah, celle-ci est un peu plus pêchue en termes de couleur. On va mettre ça. Elle a dit pas de vieillot. Pas de vieillot. Oh, j'aime trop ce papier peint. Et coucou, Margouniette. Bah écoute, ça va bien. On est en train de galérer sur le challenge de 6 sous. Ça va faire vieillot si je mets ça. Allez, mettons ça, soyons fous. Ouais. Hop. Ici, est-ce que je vais faire ça? Je pense que oui. On va mettre surface. Oh, c'est le jeu. Surface. Et là, je suis en train de prendre conscience. Je me suis lancé dans un challenge et j'ai très peur de ne pas réussir. Là, vraiment, on attaque une construction auquel je ne suis pas du tout à l'aise, c'est-à-dire du moderne. Allié du moderne et du rustique, j'ai trop du mal à le faire. Pas quelque chose où je suis à l'aise. Mais bon, on
va essayer de relever le défi. Hein. Alors, viens là, toi. Vous allez dire, mais pourquoi il met ça au plafond? Attendez. Ah oui, bah là, on est clairement sur un challenge. Hein. J'espère juste avoir le temps de finir. Rotation 90, yes. Voilà. Élévation, il faut moins 0,025, sinon ça dépasse au-dessus. Et c'est pour ça qu'il me faut des colonnes. Éclairage. Là, si on fait ça, this light, this room, on se met en jaune un peu comme ça. Pour l'instant, j'ai du mal, hein. Un peu de mal. Hein. Va être complicado cette histoire. C'est moche. Carrelage. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Toi, t'existes en teinte de. Ça existe en teinte de rose, ça, non? Bah, je crois que c'est celui-là en plus. Alors, pas pour le mettre là, mais pour le mettre dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Oulala. 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 Je suis obligé de mettre ça. Ça, c'est de la cuisine. La cuisine, on va être sur du moderne. La cuisine, je vais pouvoir faire du moderne. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Par contre, le conduit de cheminée que j'ai mis là, je vais devoir l'enlever. Ouais, mais pourquoi c'est encore là, ça? Oust. Ah, ou j'ai ça aussi. Après, elle veut pas de vieillot, mais elle a dit qu'il fallait qu'on... l'on allie le moderne et l'ancien. Donc, à un moment donné... Fun fact, j'ai... Et c'est pas une blague, hein. J'ai exactement le même motif sur le sol de ma salle de bain et de mes toilettes. IRL, j'ai exactement ça. Donc ouais, ça me fait rire. Ici, on va faire une cheminée. Je vais pas mettre de colonne. Vraiment, je peux pas mettre de colonne parce que ici, là... Comment ça m'énerve. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me frustre. Et coucou Fabien. J'espère que ça va bien. Je suis trop dégoûté parce que... à cause de la nouvelle mise à jour, tous les mods se sont désinstallés et j'arrive pas à les remettre. Mais apparemment, attends, t'es pas le seul à avoir ce problème là. Apparemment, il y a pas mal de mods qui marchent plus. Et coucou, Jou sur TikTok. Quoi, toi? En vrai, je trouve que dans les Sims, l'ancien rend beaucoup mieux que le moderne. Je trouve que le moderne rend bien seulement avec des CC, sinon je trouve que la plupart des meubles rendent cheap et laid. Merci. Merci de dire ce que je pense. Bah, merci. Clairement, c'est exactement ce que je pense du moderne dans les Sims. Ça fait kitsch. Alors après avoir cassé les pieds à mettre ça, on va le casser. Les voisins, il faut lever la chaise hein, quand vous bougez. Voilà, la même chose ici. Parfait. J'ai un souci, j'ai mon jeu qui rame à mort depuis 15 jours, c'est injouable, pourtant m'a joqué. Est-ce que tu as des mods ou des CC, Ju? Tu en as, ça doit potentiellement venir de là. Alors, je vous le dis, hein, je viens de mettre cette cheminée, mais je suis déjà en train de le regretter. Salut, tu as reçu ton appel? Oui, Annabelle, elle est là. Hop là. Cette grande attelle qui me prend bah, tout le poignet. Est-ce que tu as un logiciel pour le détecter? J'en ai trop. J'ai pas de logiciel pour le détecter. J'avoue que je n'utilise pas de CC, moi. Et j'ai que quelques mods, donc j'ai pas besoin de logiciel. Merci, Ali, pour le follow. Merci beaucoup. Hop là. Il y a toujours mal au poignet. Alors, quand j'ai l'attelle, non. Maintenant que j'ai mon attelle, je n'ai plus mal au poignet.
quand je la porte. Quand je l'enlève, si je fais certains mouvements, j'ai encore mal. Donc c'est en cours de guérison. Par contre, tu vois, avec des CC, je m'éclate avec le... Mais ça, je me doute, hein, j'en doute pas une seconde d'ailleurs. Et je pense que je me suis lancé dans un challenge un peu trop compliqué pour moi. Je veux mettre ceux de... Comment il s'appelle ce kit ? Qui est sorti il n'y a pas longtemps. Luxe moderne. Voilà. Échelle 1,5. Yes. Avec ici sur le côté, on va mettre des lampes. Tu dois porter combien de temps? Bah, au minimum 2 semaines. Là, je dois le porter pendant 2 semaines. J'ai rendez-vous. Comment ça s'appelle? Chez. Je dois aller passer une radio lundi. Parce que mon médecin suspecte que je me suis peut-être légèrement fissuré un des os du poignet. Il pourrait potentiellement faire que quand je bouge du coup mon pouce, ça active le truc et du coup ça me donne la décharge électrique. Soit c'est ça, soit j'ai un petit bout d'os qui s'est cassé et qui du coup se balade et qui du coup qui me ferait mal, c'est peut-être ça aussi. Donc en fait il veut juste faire une radio pour être sûr qu'il n'y a rien de cassé, rien de fissuré et qu'à ce moment-là c'est juste une entorse lâche tendine quoi. J'ai tout vérifié mais je pense que un mode est tout KO assure. Alors juste ce que tu peux faire, c'est temporairement tu... Ton dossier mode, tu l'enlèves, tu le copies et tu le... Ah ouais, mais si t'as beaucoup de mode, c'est compliqué. Si, je sais. Tu vas dans tes options de ton jeu, options du jeu, voilà, et tu vas désactiver temporairement tes modes. Tu désactives tes modes. Tu te crées une nouvelle partie. Tu te crées une nouvelle partie. Comme ça évitera de casser ta partie actuelle. Tu crées une nouvelle partie, tu lances et tu vois si ton jeu bug ou pas. Ton jeu ne bug pas. C'est-à-dire qu'en effet, tu as un mode ou un CC qui est cassé. Ah, c'est point d'exclamation ID si jamais tu veux mon... Tiens, je te le mets dans le chat. Ouais. Ça va être avec ton attel. Je fais acte de présence avec mon attel. Ça me saoule. Je sais que ça saoule également mes collègues. Parce que, bah, en fait, je suis totalement bloqué. Je peux rien faire sans eux. Parce que j'ai pas le droit de porter. Je n'ai le droit de porter rien du tout. Donc bah à chaque fois que je dois faire quelque chose, bah je suis obligé de demander à mes collègues, ouais, est-ce que tu peux m'aider, j'ai pas genre bah ça faut déplacer ça, faut déplacer ci, donc voilà. Donc ouais, c'est un peu relou. Parce que, du coup, je peux plus travailler tout seul. Avant, j'étais quelqu'un d'autonome, hein, mon taf, hein, je demandais de l'aide à personne, enfin, je pouvais demander de l'aide quand c'était vraiment un truc de très lourd, mais sinon voilà, j'étais vraiment autonome à 100%. Et là, bah, je suis obligé de demander. Ouais, j'ai un problème. Est-ce que tu peux venir m'aider? Est-ce que tu peux me soulever ça? Est-ce que tu peux me prendre ça? C'est relou. Je sais pas trop ce que je fais là. J'essaie de demain. Merci beaucoup. Bah, de rien. J'ai dit merci au médecin qui veut pas te mettre en arrêt. Mais ouais, mon médecin veut pas me mettre en arrêt. J'ai un peu le seum. Ça, en vrai, j'aime bien l'idée. J'aime bien. On va mettre ça. Et ça commence à rendre quelque chose. C'est pas parfait, mais je trouve que ça commence à rendre un truc. Comment on fait pour bouger la caméra du jeu comme ça, SV? Rose, tu cliques ici, en haut à droite de l'écran, commande de caméra, et tu te mets en caméra Sims 3. Tu pourras du coup te déplacer, soit avec bah, les coins d'habitude, soit avec les commandes ZQSD pour avancer, et pour du coup tourner la caméra, tu cliques sur ta molette et tu bouges ta souris. Il faut que tu insistes pour ton arrêt, car ça t'immobilise le poignet, donc c'est invalidant. Ouais, je sais, mais je l'ai déjà fait auprès de mon médecin. Et mon médecin m'a sorti but en blanc
que mes responsables arriveront bien à me trouver à faire quelque chose où je n'ai pas besoin de soulever du poids. Pour ça, je travaille dans une imprimerie, je travaille sur les machines et je soulève du poids tous les jours pour pouvoir ne serait-ce que mettre les bobines de papier dans les machines, etc. Pour parler grossièrement, on ne fait pas que des bobines de papier. Mais voilà. Et donc maintenant, je ne les porte plus. Mais voilà. Je sers pas à grand chose à part à cliquer sur la machine. Voilà. Je clique sur les boutons, je mets en marche. Voilà. Le voir, l'explosion quand tu n'as pas d'autre poste dispo. Ah ouais, mais oui, parce que. Bah oui, mais en fait, ça fait déjà la deuxième fois que je vais le voir. Hein. La deuxième fois, mais non, vous inquiétez pas. Et merci, Sicilienne, pour le follow. Merci beaucoup. Ah, vraiment, mon médecin, il est vraiment. Avec moi, il veut jamais m'arrêter. J'ai pas de chance, hein. Clairement, ça, j'ai le seum. Oh, attendez, je vais utiliser des tapis modernes, truc que j'utilise jamais. Donc, je sais même pas à quoi il ressemble en plus. Le mode. Ça, c'est un deuxième docteur. Bah, c'est ce que je voulais faire. Le problème, c'est que je suis à Orléans et c'est un désert médical. J'ai peur que. Parce que ça aggrave ce que tu as. Alors, faut savoir que ça s'est déjà aggravé. J'ai pas eu de chance. Vraiment, ce poignet-là, j'ai pas eu de chance. Alors, pour ceux qui se posent la question sur Twitch, je parle à quelqu'un sur TikTok. Parce que je sais que ça peut mener à la confusion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait un mois que j'ai ça. Merci, Célia, pour le follow. Change de médecin. Bah, mais comme j'ai dit, je suis dans un désert médical et changer de médecin, c'est compliqué. Du coup, ce que je disais, c'est que voilà, je me suis fait ça il y a un peu plus d'un mois. Le médecin m'a prescrit, du coup, une attelle. Qu'est-ce qu'il m'a prescrit ? Bah, juste une attelle. Du repos et surtout ne pas utiliser ma main droite, ce qui est compliqué parce que bah, c'est de là où j'écris. Et en fait, c'est de là où tous les réflexes se prennent. Enfin, tu ouvres une porte, prends la poignée, tu vas avec la main droite. Donc, c'était super compliqué. Mais bref. Le problème, c'est que je suis allé à la pharmacie et la pharmacienne qui est, voilà, me dit « Attendez, l'attelle qui vous a prescrite, on ne l'a pas et on pourra la recevoir que d'ici une à deux semaines. » Le problème, c'est que d'ici une à deux semaines sans l'attelle, je lui dis « Ça ne me sert à rien. » Alors, littéralement. Elle me dit « Attendez, pas de problème. » Elle dit « On en a une qui est similaire en tout point. Si vous voulez, je vous donne plutôt celle-là. » J'ai écouté, si vous me dites qu'elle est similaire, pas de problème, je prends. J'ai eu ça. Voilà, donc il y a une toute petite attelle. Hein. Je la mets sur la main droite, juste pour enfin, la main gauche, pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est elle qui faisait ça. C'est clairement pas ça qu'il me fallait. C'est ça. Il me prend bien le poignet, etc. Donc autant te dire que ça a aggravé parce que pendant un mois, j'ai porté la mauvaise attelle et du coup, ça m'a rien soutenu et voilà. Question. Peut-être, mais l'hôpital, ils peuvent peut-être t'arrêter eux. Techniquement, oui. Voilà. Coucou, j'ai la même, je ne peux pas bouger avec. Avec celle-ci là. En vrai, celle-ci elle est trop bien. Hein, parce que je sens tout de suite la différence. Il faut dans ce cas que tu contactes la médecine du travail, tu demandes un rendez-vous avec eux. Bah ouais, c'est vrai. Je vais voir ce que je vais faire parce que il faut savoir que je me suis blessé au travail en plus. Y'a rien qui va dans mon histoire. On va mettre ce tapis. Mais c'est le mieux ce que j'ai fait moi et c'est eux qui ont pris la décision. Bah en fait là j'attends de voir le résultat de mes de ma radio. Je vais voir en fonction des résultats de ma radio et après j'ai des séances de kiné qui me sont prescrites. À Orléans en fait on a une clinique qui s'appelle Aurélien si je dis pas de conneries et c'est une clinique exprès pour la main. Donc je sais que si jamais je vois que c'est toujours pas bon j'irai là-bas. Je sais que là-bas, ils m'arrêteront direct. Je confirme, l'hôpital t'arrête. J'avais une entorse au genou suite à un accident de trajet et l'hôpital m'a arrêté plus d'une semaine. Ok. Je verrai. Je verrai ça. En tout cas, merci pour tous vos conseils. Je possède des thunes. Merci, prof de carte, pour ton resub, pour ton 11e mois d'abonnement. Merci, merci, merci. Bientôt une année. Mais ouais, bientôt un an. Tu as raison, je mets un 6 pour cette instance. Ouais, non, mais je sais. Je sais, je sais. Mais c'est la première fois que je me blesse au travail. Plus. Vraiment, avant, je m'étais jamais blessé. Les lunettes sont pas à la même hauteur. Tu as raison pour celle-ci.
merci de l'avoir remarqué. Hop. Mon pauvre. Moi, c'était une fracture du pouce. Mais en fait, moi, à la base, je me suis fait une entorse du pouce quand même. Hein. Et ça fait très... Bah, je me doute. Moi, je me suis fait une entorse du pouce. Et apparemment, c'est descendu au niveau du poignet. En vrai, ce genre de blessure, faut pas prendre à la légère. Car mal soigné, ça peut devenir... Je sais. En fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude... Des fois, je me suis blessé plusieurs fois dans ma vie. Hein. Je me suis cassé les orteils des pieds, je me suis défoncé les genoux. Et en fait, je me dis, oh, mais c'est pas grave, ça passera. Bon. Ça a passé sans réellement être passé. Alors, oui, le pouce est lié au poignet, mais quand je me le suis cassé, j'étais tétanisé du poignet, je me doute. Tu as fait comment ? Bon, vous imaginez que cette bouteille, c'est un gros rouleau de papier pour imprimer. Un très gros rouleau qui fait 1m50 de large. Vous imaginez que cette bobine coûte très cher. Je l'ai enlevée de la machine et en fait, je l'ai prise comme ça. Sauf que elle était mal attachée sur la barre quand je l'ai prise. Du coup, en fait, elle a commencé à se dérouler sur elle-même. Donc, elle m'a glissé des mains et elle a commencé à tomber sur le côté. J'ai voulu, parce que comme c'est une bobine qui coûte cher, en plus, l'impression venait de se terminer, j'ai voulu la rattraper en faisant ça. Sauf en faisant ça, je vais éviter de me recréer le truc, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que la bobine, elle était posée contre mon pouce. La bobine a entraîné, elle est lourde, elle a entraîné ma main et mon pouce, et en fait, elle a écrasé mon pouce vers le bas. Et voilà. En gros, en fait, ça m'a tordu le poignet, ça m'a écrasé le pouce. Voilà. En gros, ça a fait ça. Voilà. J'essaie de vous montrer la caméra, ça fait comme ça. Ça fait bobo! C'est un peu compliqué, c'est en plus comme j'ai ça qui me retient. Et voilà, ça a fait... Voilà. Double fracture du pouce car je suis pas doué et je suis moi-même coincé le doigt dans la porte. Ouh, ça va faire mal. Ouais. Bon, ce genre de... Ça, c'est bon, j'ai lu. Voilà. Donc ouais, je suis pas très très doué. Hein. Mais bon. Alors, on va continuer de construire. Hein. Alors, si Sourine veut, elle a dit, un grand hall, un grand salon, une grande salle à manger. Donc la salle à manger, on va lui faire... Avec du moderne. Oh mon dieu, je devrais utiliser du moderne, ce que je ne fais jamais. Alors, une table moderne. Je suis tellement pas habitué que je n'en mets pas, donc je sais... Ah, il y a celle-ci. Oh, pourquoi pas. On va mettre des teintes de beige un peu quand même pour que ça passe. Ah, si, on va mettre les... Je sais quelle chaise on va mettre. Celle un peu en... Alors, on peut mettre celle-ci. Pourquoi pas. En vrai. Est-ce qu'il y a une teinte un peu... Un peu rose. Il n'y a pas une teinte un peu plus... j'ai un peu de mal. En vrai, je les préfère en violette. Plutôt qu'en rose. En plus, violet, c'est les couleurs des cheveux de Sissou. Parfait. Alors, pour information, je ne mets pas le sol exprès. Je le mettrai après. Je les mets en bouillot ou en blanc. Hein. En blanc, je pense que c'est mieux. Et on rajoutera des touches de rose et de violet et tout après. Ici, je verrais bien un vaisselier. Pas blanc, ça c'est sûr. Bébé des voisins est sage aujourd'hui. Ouais, le bébé est plutôt sage des voisins, ouais. Je me rappellerai toujours, ma mère, il faut masser et appuyer fort sous l'eau froide pour éviter le bleu. À la radio, on a bien rigolé. Bah, tu m'étonnes. Moi, je me suis cassé le poignet droit, d'ailleurs, quand j'étais petit. Mais sauf que je me suis cassé les deux gros orteils, le gauche et le droit, en un an d'intervalle. C'est pas agréable du tout. Je vous le conseille pas. Je regarde encore. En vrai, j'aime trop l'extérieur de la maison. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. Quand on rajoutera toute la végétation, ça rend trop bien. Alors, ici, je veux mettre un vaisselier, comme je vous disais. Pierre Richard. Mais alors, il y a une blessure, c'était vraiment... En fait, j'étais à une soirée, j'étais alcoolisé, et en fait, j'ai glissé sur le devant de la salle des fêtes, littéralement. Et encore aujourd'hui, j'ai même pas compris comment j'ai fait pour me casser l'orteil parce que j'ai juste glissé quoi. Ça, c'était la première fois. Et en plus, je m'en suis pas rendu compte de suite parce que comme j'étais alcoolisé, j'ai pas senti que je m'étais cassé le doigt de pied.
Je m'en suis rendu compte quand j'ai enlevé ma chaussure quand je suis rentré chez moi. J'ai commencé un peu à décuver. La deuxième fois, et là, je vous le dis tout de suite, ça peut arriver à tout le monde. Je pense que vous connaissez tous la douleur quand vous prenez un meuble dans l'angle d'un meuble dans le petit doigt de pied. Dites-vous que moi, je suis allé tellement fort que je me suis... C'est pas le petit orteil, c'est le gros orteil qui s'est cassé contre le meuble. Voilà. Bah, je vous le conseille pas. Hein. Bah, je vous ai fait bobo. Dans l'huile débogage, là, temporairement, parce qu'il va me gêner pour les meubles. J'ose imaginer la douleur. Bah, je suis resté au sol 5-10 minutes. Hein. Bonne soirée, sonne-toi bien et bon live à bientôt. Pas de soucis, Jules. Bah, écoute, merci à toi d'être passé. Si jamais, demain, on stream à la même heure, on sera sur du Animal Crossing. Et pour la suite de ce challenge, ce sera jeudi. Je l'ai cassé comme ça contre un... Ah ouais. Ah bah, j'ai eu mal. Ah, attendez, je veux un vaisselier moderne. Mais jamais de la vie, j'ai ça dans le jeu. Et qu'il soit beau, jamais de la vie, j'ai ça. Alors, je pense que le vaisselier... Alors, je vais pas faire un vaisselier, alors. Sinon, ici, je mets une commode, un miroir. Ça peut être cool. Eh bien, avec grand plaisir. Je me suis jamais fait de grosses blessures. Alors, je me suis cassé le poignet. Alors, moi, des grosses blessures, j'en ai eu. Hein. Vous avez dû le remarquer, j'ai une cicatrice qui est par ici. Je sais jamais où elle est là. Voilà, j'ai une cicatrice là, une en dessous, j'ai des lunettes, c'est parce que j'ai eu un accident. Mais d'ailleurs, Ali, j'ai vu ton message, mais je t'ai même pas dit bonjour, je crois. J'ai un doute. Excuse-moi, je sais pas si tu es encore là. Mal poli de ma part, je viens de tilter en relisant le chat. Je pense que j'ai pas le meuble que j'ai en tête. Je pense que je vais devoir le créer moi-même. Ouais, on va le créer nous-mêmes. Surface, on va voir ce qu'on peut avoir. Non, pas ça. Ah, peut-être là-dedans. Ah, là, on a des vaisseliers. Ah non. Ça, c'est trop rustique. Ça, c'est dégueulasse. Oh, ça va être compliqué. On a celui-là. Un peu petit par contre. Il y a 2 ans, je me suis luxé la rotule en me mettant debout sur le lit pour fermer le Velux. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça doit faire mal. Alors ça, non. Oh, ils sont tellement... Mais je suis désolé, mais les meubles modernes dans ce jeu, ils sont dégueulasses. Comment vous faites, les gens, pour construire du moderne dans ce jeu? Ah, c'est vrai que j'ai ces meubles là aussi. On va sauvegarder. Hein. Mais j'aime bien ce qu'on est en train de faire. Bien douillé. J'étais en juillet. En plus, heureusement, j'avais pas de vacances prévues. Bah, tu m'étonnes. Et coucou Lilou! J'essaye de voir un peu, là, excusez-moi. Je galère ce soir. Je ne sais pas, je fais pas de modèle. Quelques mois, je me suis coupé dans la jonction entre le pouce et l'index avec un scalpel. Aïe, 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 oh, je vois trop ce que t'as fait. Je suis passé à 0,05 mm de tendon du pouce. Oh, une semaine d'arrêt. Bah, franchement, t'as de la chance, hein, parce que tu serais sectionné le tendon, t'étais dans la merde. J'aime trop ce cadre. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas le fond est noir, et je trouve ça dommage. Ah, ça, j'aime bien. Moi, je suis plutôt CC, si tu veux, du modèle. Bah oui, il faut plutôt CC. Bah oui, je me doute, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien dommage. Rangement. Un truc dans rangement.
Ah là là, Sissou, je t'aime beaucoup, hein. Mais alors, ton challenge construction, il va me donner des cheveux blancs. Je commence déjà à avoir des cheveux blancs, je vais en avoir plus à la fin de cette construction. Le problème, c'est comme elle a demandé des murs hauts, et encore, je suis en mur moyen. Mais si je suis en mur grand, qu'est-ce que je raconte ? Ouais, non, ça rend moins bien. Bon, on va retourner en mur grand. Mais c'est bourse. Mais vous savez quoi ? Je viens de comprendre pourquoi je galérais. C'est parce que j'ai les murs grands et j'ai clairement pas l'habitude de construire un mur grand. C'est une torture pour moi de construire un mur grand. Même les bibliothèques, je vais pas pouvoir les mettre. Quoique, celle-ci en blanc, elle passe. Je les mets ici déjà. Ouais, alors là, il va falloir qu'on trouve une solution. Ah, le jeu. Je fais ça juste de manière très rapide. Hein. Hop. Après, on viendra meubler ça correctement. D'ailleurs, j'ai une petite question. J'ai pas le dossier mode, il faut le créer pour en ajouter. T'as pas le dossier mode ? Après, tu peux le créer, oui. S'il y a besoin, tu fais un dossier mode écrit, bah, comme tu l'as écrit, et normalement, c'est bon. Je vais mettre les bibliothèques de création en cristal, parce que Sissou les adore. Mais oui, mais attends, mais tu rigoles. Mais oui, mais non, mais je suis con, j'ai oublié qu'il y avait celle-là. Tu as parfaitement raison, parce qu'en plus, elles sont stylées. Elle a raison, parce que moi aussi, je les adore, celles-là. Oh. Là. Elles sont petites. Bon, on trouvera une solution. Ouais, je ne l'ai pas. Je l'ai sûrement supprimé sans faire exprès. Une idée. Je viens d'aller vérifier. Ah, bah. Bon, l'essentiel, c'est que tu arrives à le remettre. Tu stream jusqu'à 22. Ouais, mais je pense que je vais faire un peu d'heures sup jusqu'à 22h15. Moi, ça n'a pas su me faire des points car ma patronne m'avait mis des petits de collants qui resserrent les plaies. Bah, bah écoute, ça va bien, Lilou. Ouais, je vais streamer jusqu'à 22h15, je pense, ce soir. Après, il va peut-être falloir que je me fasse à manger. J'avoue, j'ai eu l'appétit qui a été légèrement coupé suite à une petite nouvelle fort désagréable que j'ai eu avant, juste avant de streamer. Je voudrais raconter à ceux qui étaient là au début du stream. Et là, j'avoue, je commence à avoir un peu faim quand même. Hop là, attends, je réponds juste à un message. Donc ça, c'est ce que je veux dire. Venez, on met un lama. Le gars qui pète un câble. Alors ça, il va falloir qu'on mette ça à l'entrée. Rien de grave, j'espère. Bah, en vrai de vrai, les gens, enfin, vous le savez, enfin, je l'ai dit en début de stream. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que je vous dis que j'ai un ravalement de façade de prévu dans ma résidence. Je vous l'ai déjà dit. Et que j'attendais de connaître le prix. Bah, ça y est. Je connais le prix. J'aurais préféré rester dans l'ignorance. On est sur un prix qui est honteux. Alors, vous voulez que je mette du marbre ? Il loue le marbre dans le jeu. Vraiment, j'utilise que des trucs que j'utilise jamais. Alors, ravalement de façade avec isolation par l'extérieur, isolation des toitures.
Et changement des garde-corps sur les, au niveau des portes-fenêtres. Par personne, hein. La remote façade, c'est quand tu refais la, les murs d'un immeuble, par exemple. C'est une obligation de le faire. Alors, techniquement, on a voté pour le ravalement de façade, mais on n'a pas encore voté. Enfin, on n'a pas encore accepté pour le budget. On a voté pour une étude de marché, etc. Enfin, une étude avec des architectes et tout, donc on a payé ça. Et là, vu le montant qu'on m'a annoncé pour les travaux, il est hors de question que j'accepte de faire la ravalement de façade vu ce prix. Je veux bien être pigeon, mais il y a des limites. Je dois payer la modique somme. Enfin, techniquement, on n'a pas encore validé. Hein, donc, voilà. Et j'ai vu les prix, là. 55 136... non. 130, c'est 55 136 euros et 56 centimes. Voilà. Le petit centime me fait rire. On dirait Tom. Non, mais là, quand j'ai vu le montant, j'ai pas un appartement de 150 mètres carrés. Hein. J'ai un appartement qui fait littéralement 58 mètres carrés. Par propriétaire. Par propriétaire. Alors, dans mon bâtiment et dans le bâtiment d'à côté, nous, c'est 55 000. Le bâtiment en face, ils sont beaucoup plus que nous. Eux, c'est 44 000. Et dans une, on a une grande tour dans ma résidence. Eux, c'est 35 000. Mais bon, eux, c'est 35 000. Nous, on a 20 000 de plus. Enfin, je trouve ça honteux. Mais moi, je vais refuser, du coup. Je vais refuser. Donc, tant pis, on aura perdu en tout dans l'histoire plus de 5 000 euros de frais d'architecte et tout, là. Mais rien à faire. Je peux déménager, mais maintenant qu'en fait, s'il y a ce prix-là, je vais devoir baisser mon appartement du montant du prix potentiel des travaux, quoi. Si c'est validé. Voilà. Donc, j'avoue, quand j'ai commencé le stream, j'étais en mode... J'ai littéralement appris ça, genre, 15 minutes avant de lancer le stream. Ça fait mal. Non, ça, je peux pas mettre ça, c'est moche. Et coucou, Ciel, comment tu vas? Streamer plus pour payer le ravalement, je te jure. J'ouvre un OnlyFans, je pense, de mes pieds et de mon chat. Par personne, c'est une aberration. J'ai vu le montant, c'est une aberration. Parce que sur le devis, on a un peu toutes les steps de dépenses. Et il y a des dépenses qui sont logiques. Genre, par exemple, ils vont changer les portes des paliers. Et c'est 2500 euros la porte de palier, c'est une porte je sais pas combien de points blindée et tout, donc 2500 euros une porte d'entrée, ça ne me choque pas au niveau du prix, c'est cher, mais en vrai c'est pas déconnant. En revanche, isolation par l'extérieur, ouais, j'ai payé 24 000 euros d'isolation par l'extérieur de ma maison avec bardage et Anna Ed nous a donné 22 000 euros, mais nous dans mes temps, c'est comme 55 000 euros là pour nous là. Et si on a des aides, alors ok, les aides normalement devraient nous rembourser nous 50% du montant. Mais c'est-à-dire que je devrais quand même payer quasiment 25 000 euros de ma poche. Et bah non, en fait. Moi, je pensais. Tu vois, le prix que tu as dit se dit. Moi, je pensais payer 24 000 euros en tout. Tu vois, sans les aides. Je pensais que c'était ça. Mais du coup, on a deux ciels, j'avais pas compris. Coucou, les deux ciels. Et ouais, là, non. Le montant, c'est aberrant. Donc on devrait avoir une réunion à un moment donné. Et dès qu'on a la réunion, ils vont nous expliquer vraiment explicitement les devis, les prix, les machins. Et de toute façon, moi, je dirais non. Je veux dire, pour ce prix-là, c'est hors de question. Pour 55 000 euros, je le fais moi-même l'isolation de mon appartement. Je préfère perdre quelques centimètres carrés dans chaque pièce. Et je refais l'isolation de tout mon appart pour ce prix-là. La réunion, elle va être lunaire. Mais déjà, les réunions de ma copro, elles sont tout le temps lunaires. Ils sont... Enfin... Ceux qui gèrent ça, ils sont vraiment sont pas pro, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, ils sont pas pro. Non, mais c'est pour ça. Hein. Donc moi, je vais voter non, du coup. Après, déjà, je sais que ça... Je pense que ça va pas passer, c'est pour ça. En vrai, je le prends relativement bien, parce que je sais pertinemment que ça passera pas. Quand on avait fait la réunion de copropriété, on nous avait annoncé déjà les travaux et tout. Ils avaient annoncé une fourchette. Ils avaient dit entre 20 et 30 000 euros. Bon, visiblement, c'est plus. Mais déjà entre 20 et 30 000, les gens avaient râlé
en mode, mais jamais de la vie, on paiera 20 000 euros pour avoir une façade. Là, tout le monde, enfin, au minimum, les gens payent 35 000. Donc, jamais ça passera. Je pense que ça passera pas. Elle est sympa, la résidence de luxe, où vous cassez portail 80% de l'année, des plafonniers dans les parties communes aux ampoules grillées qui mettent 6 mois à être changées. Mais je te jure, et le pire, c'est que là, ils vont faire ça, ils vont faire un ravalement de façade et tout, mais ça changera pas le problème d'isolation entre les appartements où j'entends littéralement mes voisins parler, le bébé pleurer et tout. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent pour une isolation thermique par l'extérieur. Moi, là, pour le coup, je préfère largement faire l'isolation de mes murs, à savoir que mes murs, je n'ai pas beaucoup de murs en réalité à isoler. Techniquement, j'ai le mur à ma droite, mais il y a la fenêtre qui prend la moitié du mur. J'ai ce mur-là en face de moi. J'ai le mur de ma chambre, le bas du mur de ma chambre, parce que j'ai toute une fenêtre qui prend toute la largeur du mur. J'ai ma salle de bain que je dois isoler. Ma cuisine, c'est pareil. J'ai juste le mur du bas à isoler. Et mon salon, j'ai un bout de mur à isoler. En vrai, je pense que pour moi-même, pour 10 000 euros, je pourrais isoler tout mon appartement. T'es propriétaire ? Oui, je suis propriétaire. En fait, il n'y aurait pas du tout de problème là si j'étais locataire. Ils ont dû gonfler le devis plus, c'est pas possible. Je comprends pas. En ravalement de façade, pour mon bâtiment, il y en a pour 550 000 euros. Juste de ravalement de façade. Après, il y a... Parce qu'ils doivent rajouter une VMC, il y a pas mal de trucs qui... Après, il y a aussi des dépenses que je comprends, parce que il faut qu'ils rajoutent une VMC, etc. Il faut qu'ils fassent pas mal de choses comme ça. Mais 550 000 euros pour un ravalement de façade, à savoir que notre façade d'immeuble est remplie de fenêtres partout. Il y a en réalité assez peu d'espace, enfin assez peu de surface, vraiment isolée. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et excusez-moi, du coup, je blablate, et je n'avance pas. Je mettrais bien une bibliothèque, là. Ça devient n'importe quoi. Ouais, non, mais là... Je suis saoulé. Et en fait, là, j'arrive pas. En plus, je n'y arrive pas. Je sais pas quoi mettre ici, en fait. Le fait que je sois en mur haut, c'est super dur. C'est abusé les prix. Après, peut-être que c'est parce que c'est la capitale. Je suis même pas dans la capitale, hein. Je suis pas à Paris. Hein. Je suis à Orléans. Oula. Ah, j'ai eu le hockey en même temps que j'ai expiré. Oh, ça fait super mal. Ouais. Alors, pour l'instant, on nous a annoncé le devis. On doit voter pour ou contre le devis. Vous vous doutez bien qu'avec ce montant-là, je vais voter contre. Il faut qu'il y ait 50% de personnes qui votent pour que ça passe. Vu la gueule du montant, hein, c'est... Mais jamais, je pense que personne votera. Je pense que tout le monde va voter non. Et au moment où je vote non, je vous le dis, hein, au moment où c'est vote non et que ce projet tombe à l'eau, je vous le dis, hein, je vends cet appartement. Je ne cherche même pas à comprendre. Genre, au pire, je m'en fous. Je retourne en location pendant quelques temps avant de pouvoir acheter ma maison. Je vends cet appart. C'est bon. Là, ce que je disais à ma mère tout à l'heure, c'est que je l'ai appelé. Je dis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Genre, je me casse de cet appart. Alors, ok, le vaisselier est un peu vieillot, mais je pense que ça peut passer. 1,3. J'aimerais l'agrandir. Est-ce qu'il existe avec une couleur un peu beige ou pas? Yes. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein, là, après, je vends. De toute façon, c'était déjà ancré dans ma tête que j'allais le vendre dans l'appartement, mais là, avec ce que je viens d'apprendre, c'est sûr, certain, je vais le vendre, mais à une vitesse. C'est le pompon sur la daronne. Ah, mais là, c'est même plus le pompon sur la daronne, là. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment les problèmes d'adultes, j'ai envie de dire. Cette plante, elle est toujours buggy. Mais ouais. Donc, c'était un peu la petite péripétie que j'ai appris avant le stream. Déjà que quand tu payes ton ravalement 6000 euros, tu pleures, mais 55... Non, mais 55K... Vous savez quoi? Je vais être totalement transparent avec vous, parce que moi, ça me dérange pas de parler d'argent. C'est pas de vanter ou quoi que ce soit. Parce que, au pire, je vais vous expliquer l'histoire. Mon appartement... Donc là, dites-vous que, techniquement, ravalement façade, 55 000 euros. J'ai acheté mon appartement 80 000 euros. Genre... Je vais pas dépenser 55 000 de plus... Sachant que la plus-value ne sera pas supérieure, parce que si je rajoute, là je l'ai acheté 80 000, si je rajoute 55 000, ça fait 135 000 euros,
mon appartement, je ne le revends pas ce prix-là. Hein. Donc, je suis perdant, donc non. Et alors, à l'époque, quand je l'ai acheté quand j'étais au SMIC. J'ai réussi à acheter au SMIC, c'était juste avant le Covid. Mais genre, ce que je dis juste avant, c'est que j'ai fait une offre d'achat littéralement 3 jours avant le confinement. Ça vaut pas le coup. Autant que je fasse les travaux moi-même. Je suis content d'avoir acheté une maison dans les années 70, au moins, pas de compte à rendre une copropriété. Bah, en vrai, alors, après, en vrai, c'était un investissement. Bon, je veux juste pas perdre ma thune. Donc, au pire des pires, je vendrai l'appart, puis je me ferai, genre, peut-être 2-3 000 euros de plus-value, puis voilà. Faut que je réfléchisse. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas encore fait, c'est pas encore acté. Et vu le prix, à mon avis, ça sera jamais acté. Donc voilà, c'était la petite nouvelle du début de stream. Dans tous les cas, il faut vendre avant que ce soit voté, sinon ce sera quand même pour ta pomme. Je pense sincèrement que ce sera pas voté. Vraiment, je pense que ce sera pas voté. Enfin, les gens vont dire non. Si je vais pas dire que je mettrai ma main à couper, mais c'est quasiment sûr et certain que les gens vont refuser. Je disais tout à l'heure, en fait, ils râlaient déjà quand ils pensaient qu'ils allaient payer 20 000 euros. Bah là, le double, c'est sûr que les gens vont dire non. Donc voilà. Ça paraît logique de voter non vu le prix. Bah, en fait, le prix, je le comprends pas. Vraiment, le prix, je le comprends pas. Parce que j'ai une de mes amies qui habite dans un bâtiment qui ressemble vraiment beaucoup à mon bâtiment actuel. Vraiment, c'est quasiment le même bâtiment. Et elle, je lui ai posé la question parce qu'elle a fait le même style de ravalement de façade. Vraiment la même chose, point par point. Elle a payé 20 000. Pour exactement les mêmes points de rénovation. Ouais, nous, on paye le double, genre quasiment le triple. Non. Bah, en fait, là, on n'a qu'un seul devis qui nous a été envoyé. Mais je pense, et là, en fait, j'attends la prochaine réunion, je vais, pense, me mettre dans le conseil syndical de ma copro. Parce que j'ai remarqué que le conseil syndical de ma copro, il est géré par des propriétaires qui sont richoux. Enfin, richoux. Il y en a un qui détient je sais pas combien d'appartements dans l'immeuble parce qu'il les met en location. Et ils sont très vraiment dans cette optique-là, ouais, machin, l'argent. J'ai remarqué, enfin, bon. D'ici à ce qu'ils s'amusent à nous faire une rénovation qui coûte la peau du cul juste parce que ça les arrange eux et pas nous. Donc je pense que je vais m'intéresser à ça. Alors normalement, on a 3 devis. Là, on en a juste un pour l'instant, on n'a pas les autres. Excusez-moi, j'ai du mal là ce soir avec la constru. On va peut-être mettre... Le sol, je pense que je vais mettre du parquet. Hein. Je vois mal un sol en marbre ici. Attendez, je sais qu'il y a un sol en marbre qui est pas trop moche. Mais je sais plus où il est. C'est pas celui-là. Oh, ça me pique les yeux. Je fais un damier. Attendez, je me suis trompé. Voilà. Hop. Oh, j'aime pas du tout. Et coucou, Fonza, coucou à toi. Même si ça a augmenté, pas au point de payer. Non, je pense aussi, hein, je pense que c'est trop énorme. Donc voilà. Ah, peut-être que ça, c'est mieux. Et bah en vrai ça pourquoi pas. Là je sais pas encore ce qu'on va mettre. Et ça en vrai j'aime bien. Ça rend pas trop mal. Je suis dead, je peux plus jouer au Sims 4. Laisse-moi deviner.
tu n'arrives plus à lancer ton jeu parce que ça bug, etc. Et que tu as potentiellement des mods et des CC. Si c'est ça, tu n'es clairement pas la première personne à me dire ça ce soir. Je crois que c'est un peu tout cassé, les Sims, ce soir, à cause de la mise à jour. Bien content d'avoir lancé le stream avant de lancer la mise à jour. Oui. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, la mise à jour, elle a un peu tout cassé. Attendez, je regarde juste sur Twitter s'il en parle un peu. Alors, ok, je viens de voir. Apparemment, la mise à jour Sims corrige pas mal de bugs. Bon. Apparemment, c'est buggy. J'arrive pas à voir ce concrètement ce qu'elle corrige. Noxy, arrête de me griffer. Il me redemande de télécharger Origine. De télécharger Origine ? Et pas l'IAP ? Ah oui, là, c'est buggé. Je m'aurais dit qu'ils disent de télécharger IAP. Je veux bien, mais l'Origine, là, non ? Je doute, mais c'est un point à prendre en compte. Moi, j'ai dû payer 2000 de moins pour mon bardage si mon dossier n'avait pas mis autant de temps à être fait. Alors, moi, par contre, ils ont mis 1000 ans à tout organiser. Ce ramant de façade, ça fait 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans que j'en parle en stream. Ça fait 2 ans qu'il aurait... voilà. Il nous en parle, machin, ça avance pas. Je pense que c'est aussi pour ça. Hein. Attends, je me fais du mal, parce que moi, je veux mettre des colonnes. Le problème, c'est que je peux pas en mettre. Bon, regardez comment ça rend trop bien avec mes colonnes, là. Bah ouais, là, ça rend bien, bah oui. Je peux pas, parce qu'après, elles vont redescendre. On le sait. Je vais les laisser comme ça juste pour l'instant, histoire de me, voilà, de me donner de la force. Par contre, si tu continues à me griffer, mon chat, par contre, c'est pas de la force que je vais te donner. C'est une punition. À punir dans le couloir. Mais c'est pas bon que tu nous en parles. Oui, je sais, moins d'un an d'attente pour mon dossier. Et voilà. Bon, pour l'instant, comme je disais, quand j'en saurai plus, je vous en reparlerai et tout. Mais là, c'était là, j'avoue, la petite nouvelle qui était fort... pas très agréable. Clairement pas. Je prends juste un petit message, voilà. Là. Bon, en soi, la construit. En vrai, la construit. Ah, je suis d'accord, je comprends. C'est trop bizarre qu'il te redemande de télécharger Origine en vrai. En plus, 2 ans, ces tarifs ont bien eu le temps d'augmenter. Non, mais de toute façon, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, hein, moi, je me prends pas la tête, je vais refuser. Je préfère vraiment moi-même, enfin, genre, rénover, enfin, faire l'isolation moi-même de mon appartement. Parce que pour ce prix-là, ouais, ça me coûtera moins cher de le faire moi-même. Vous en pensez quoi de cette salle à manger? Alors, elle est pas finie. Mais en vrai, j'aime bien. Non, pas trop mal. Décoration. Qu'est-ce qu'on a en statue? C'est des trucs sympas. J'aime bien, c'est épuré. Ouais, c'est épuré. Alors moi, j'ai envie de rajouter plein de trucs partout. Bon, là, il manque quelque chose. Hein. Il manque de la déco. Il manque de pas mal de petites choses, mais... Alors, on va pas mettre ça. Et elle coûte combien la maison pour l'instant? 120 000 simples. Tout va bien. Tu fais quoi comme construction? Sur le challenge de 6 sourines. Challenge construction de 6 sous. Où je dois construire une maison style victorien. Ah, pour le coup, je suis parti sur un victorien plus anglais, plus qu'autre chose. Et il faut faire une maison un peu à la style de Bridgerton, quoi. Chronique de Bridgerton, mais avec un intérieur moderne, épuré et luxueux. Donc voilà. Pour l'instant, on a fait ça.
J'ai envie de rajouter un cadre là, j'ai envie d'en rajouter un là et un là. Ça, en vrai, je suis pas très fan. Mais en tout cas, la couleur, j'aime bien. J'aime bien ce qu'on a fait. C'est quoi comme construction ? Alors moi, de base, je fais la rénovation des mondes avec uniquement le jeu de base plus le pack d'extension de la ville. Donc voilà, donc c'est un truc qui est un petit peu long à faire. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Et je fais également des constructions célèbres. Donc j'ai pu faire les appartements de Friend, j'ai fait les appartements de How I Met Your Mother, les maisons de Desperate Housewives, la maison de Charmed par exemple. Voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup faire en stream. Je fais également du Animal Crossing. Voilà. Voilà, des petites choses. Et des touches de rose, exactement. Mais en vrai, j'aime bien. Alors par contre, là-bas, j'aime plus du tout. On va changer l'éclairage. Par contre, là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Un bar ? J'aime pas mettre des bars dans les films. Quelle heure il est ? Pas trop tardé. J'aimerais trop mettre ça, mais ça fait pas moderne. Bah, en vrai, si je peux mettre ça. Hein. Non. Un coin lecture ? En fait, il va déjà y avoir un coin lecture ici. Enfin, c'est là où il y a bibliothèque. Enfin, de voir. Les bars, en vrai, ils sont tous moches. Ou j'attends que le nouveau kit y sorte. Ça, niveau plantes, il y en a quand même beaucoup déjà. Je peux en rajouter. En soi, je peux en rajouter. On va déjà changer, mettre un éclairage. En fait, c'est la norme des bars qui est moche. Oui, non, mais oui, la forme. Oui, mais en fait, tout est moche. Les bars en eux-mêmes dans les Sims sont tous moches. Bon, après, on va se laisser. Bon, je sais, j'ai faim, après, je me fasse à manger. Ça me tue, c'est considéré comme un éclairage. Ça n'a pas de sens. Un divan avec une petite table pour prendre le thé. Ah, c'est pas con. C'est pas con du tout. Bah oui, on va mettre ça. Oh, je me dégoûte. Je vais mettre cette lumière. Alors que je l'aime. Je déteste cette forme de lumière. Mais en vrai, pour du moderne, ça passe. Bon, ça, je pense qu'on va le mettre en blanc. Hein. Non, mais si je le mets en blanc, non. Les chaises qui me perturbent avec leur couleur, là. Je pense que les chaises, on va les changer. On va en mettre d'autres. Un divan, pourquoi pas. Il faut juste trouver un divan sympa. Pas ça, hein, par exemple. Celui-là non plus. Mais des trucs que je ne mets jamais, ça me... Non, ça, putain, j'aime pas. Ça, c'est neutre. Je suis dans la merde. Ça, c'est pas beau non plus. Ça va être compliqué. Tu vois, il est joli, mais ça fait pas dans le style qu'il faut. Non, c'est bon. Ah, en soi, non. J'ai mis quoi le long du mur? Là? J'ai mis ça. Pour l'instant. Bon, ça veut dire, mais comment? Attends. Mais faire un comme un encastrement des fenêtres rehaussées avec des... Je vois ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu veux faire. Ah, ça? Oui, c'est des barrières d'escapade enneigées. Pour faire un soubassement. C'est ce que je fais souvent. C'est pour créer des faux... comment ça s'appelle ? Pas des faux... des fausses moulures de... des fausses moulures de mur. Ah, le jeu. Voilà. Échelle 0,01.
C'est pas mal. Enfin, j'avais pas reconnu. Ouais, c'est du lambris un peu, ouais, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai fait. On va faire un petit screen. Oh, c'est... Pour moi, ça fait tellement vide. Alors certes, il manque une partie, mais... Hmm. Plan de suspendu. Voilà. Voilà, je me sens mieux. Ah, oh. Manquait de plan de suspendu. Ça manque de choses. Oui, oui, on est d'accord. Ça manque de babioles sur la cheminée. Ça manque de trucs ici aussi. On est parfaitement d'accord. Sur la cheminée. Et après, on va se laisser. Je vois qu'il est déjà 22h22 bientôt. Non, je sais pas. Ça, c'est glauque. En plus, après, il faut que j'aille étendre mon linge avant que j'oublie aussi. Oh, j'ai trop envie de mettre ça. En mode petite décoration. Alors, ça a un rouge qui agresse un peu les yeux quand même. Mais en vrai, pourquoi pas? Je cherche le cadre. Il est où le cadre déjà? Je sais pas, pour le rouge, j'avoue que ça agresse un peu les yeux. Donc à voir si je le garde ou pas. Oh! C'est marrant de les superposer. On peut changer la couleur des assiettes. Eh, en vrai, j'aime bien. J'aime bien, je vais le laisser comme ça. Puis après on va se laisser. Après on va se laisser, je vais regarder chez qui je vais vous envoyer. Vous savez ce que j'ai envie de faire là? Vous allez me détester. J'ai envie d'assombrir. Ça a cassé toutes les colonnes, forcément. Là. Hmm. Soit je laisse comme ça, soit vraiment je m'en plus foncé. On est d'accord que c'est mieux enfoncé, non? On est d'accord. Hein. Bah, attendez, c'est quoi? On va plutôt faire ça. Il me permet... Du coup, d'enlever la frise que j'ai faite à la main. Alors, du coup, ouais, on a perdu un peu de temps en la faisant. Mais au moins, ça m'évite de la faire. Allez, le jeu. Ça fait presque prune, c'est joli. Bah, on est d'accord. Hein. Aïe. Là, l'idée du truc avec le coussin et tout, je vais. Je vais peut-être le faire. On fera ça au prochain stream du coup. Hop là. Et je viens d'avoir une idée. Je laisse bonne soirée tout le monde. Des bisous, mes sorciers. Je serai sûrement là. Je dis pas de soucis. Genre pas de soucis, pas de soucis. Bonne soirée à toi. Je crois j'ai une idée pour faire une bande là. Il me semble, si je dis pas de conneries, que on a un éclairage mural. Et l'éclairage est juste à l'éteindre. Et j'aurais pas ce problème. Hop là. J'ai pas une bande toute fine. Peut-être fumer là, toi.
Mais si on t'éteint, ça fait quoi? Eh? Bah, en vrai, on peut juste mettre ça en mode pour faire la bande ici. J'aime bien. Alors là, je suis un peu frustré parce que j'ai obligé d'enlever toutes mes colonnes. Et ça, c'était prévisible. Hein. On va l'enlever là aussi. Ça fait mieux. Ça fait mieux quand même. Ou mieux. Ouais, avec lumière éteinte de la cheminée, je suis totalement d'accord. J'aurais voulu faire ça aussi. Comme ça, mais ça va faire moche. Bon, du coup, on va se laisser. On va se laisser pour ce soir. Je vais juste faire un petit screen pour la miniature. Alors, c'est loin d'être terminé. Mais je vais faire des recherches un peu sur Pinterest et tout. Pour... Parce que comme je vous dis, c'est un style que je ne fais jamais. C'est un peu compliqué pour moi. Alors, je vais regarder, il y a qui est en train de streamer chez les copains. Bah, je pense que je vais aller chez... Bah, je vais aller chez Alain Charlet, tiens. Qui est en train de streamer également. Hop, Alain Charlet. Voilà. Je vais mettre la petite musique en pause. Et voilà. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir été là ce soir encore une fois. Ça m'aura fait très plaisir d'être en live avec vous ce soir. Après cette petite nouvelle budget pas très agréable. Mais voilà, comme je disais, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je suis pas stressé par rapport à ça. Ça ne sera pas voté, donc c'est pas très, très grave. Mais voilà, le lustre de plafond fait tâche, je trouve, en comparaison des lustres au-dessus des cheminées. Je suis d'accord avec toi, Anagram. On changera sûrement ça au prochain stream. Du coup, on se retrouve normalement demain. En tout cas, ça rend super calme. Merci beaucoup, Héloïse. On se retrouve du coup demain à partir de 19h30 pour du Animal Crossing. On continuera notre aventure sur le jeu. À savoir que la semaine dernière, on a fait beaucoup de choses pour la... On a fait beaucoup de terraforming. Et sachez que j'ai énormément avancé en off. J'ai payé toutes les structures. Il y a juste le pont. Je n'ai pas encore assez de clochettes. Donc je pense qu'on terminera de rembourser le crédit du pont demain. Mais voilà. En tout cas, merci à tous. Pour ceux qui ça intéresse, jeudi normalement. Si tout se passe bien, que si j'ai la clé en temps et en heure, on découvrira les deux nouveaux kits des Sims 4 et il y aura un giveaway. Si jamais, ça peut arriver, si jamais le kit, on ne peut pas le tester parce que je ne l'ai pas encore, normalement, le giveaway, je le ferai quand même jeudi. Donc, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Au pire, on fera ça pendant le stream et au pire des cas, on fera ça sur un autre stream. Vous serez prévenus, pas de problème. En tout cas, demain, on se retrouve à 19h30 pour du Animal Crossing. Et si jamais vous voulez nous retrouver pour du Sims 4, ce sera jeudi à partir de 19h30 également. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai changé le mode de publication sur Instagram. Vous serez prévenus chaque matin. Vous aurez un stream le soir même avec un compte à rebours. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Clairement, si vous me suivez sur Instagram, vous ne pouvez pas rater les streams. Clairement, vous ne pouvez pas rater les streams, vous avez un compte à rebours, vous cliquez dessus, vous activez la cloche et vous aurez une petite notification pour vous dire que le stream va commencer. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir. Passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien. Et puis, je vous dis à demain, 19h30. Bye tout le monde.